Ah, coucou. Alors, ça, c'est bon. Il faut que je mette sur Twitter, je poste. Ok. Ok. Parfait. Je ferme Twitter, je remets ça devant. Et on met la scène. C'est parti, avec Minecraft derrière, ça sera mieux. Voilà, super, super. Allez, bienvenue, bienvenue les amis sur un petit live sur mon petit monde solo en hardcore. Mon petit monde solo en hardcore que j'aime beaucoup, 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 sur lequel on passe du bon temps. Allez, salut les amis. Bienvenue, Scalibert, Al, Ebio, French Girl. Ah oui, salut. Non, je suis pas énervé. Je suis pas énervé. Je suis content, je suis juste content. Allez, Lord Alphonse, ma bagnole et tout ça, c'est parti. Alors, multiplayer non, single player, solo hardcore, place à Ethel World. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Oh, c'est chaud ça. Alors, où est-ce qu'on en était l'histoire, les amis? Oh, on est dans la chapelle. Ah oui, on était en train de faire une petite déco vite fait, bien fait là-dedans. C'est vrai, je me rappelle. Alors qu'on fasse quand même un petit tour. Qu'on fasse quand même un petit tour là-dedans. Salut Christo, salut Chrisa, salut à tous ceux qui sont en train d'arriver. Bienvenue, venue. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Ça, c'est encore un Enderman qui saoule, qui déplace les blocs. Hop là. Attendez, on a F4, on va en profiter. Je sors de mon corps. Ah, au secours. Allez, qu'on regarde un petit peu tout ce qu'on a construit sur ce petit monde solo en hardcore. Qui est quand même sympathique, bien sûr. La déco, on va faire simple. Hein, dans la chapelle, dans l'abbatiale, on va faire ça simple. Donc, nous avons une abbaye. Avec son abbatial qui est juste à côté, bien sûr. Nous avons le petit châtal qui est là. Avec, évidemment, le meunier qui est là. Avec le moulin, on pourrait dire que ça, c'est un moulin banal qui appartient au seigneur du château ou à l'abbaye. Les deux sont possibles. On avait fait un petit pont, évidemment, pour pouvoir rejoindre cette partie-là, ici. Petit pont, c'est ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. C'était cool. C'était sympa avec le petit cheminounet qui va là, voilà, qui rejoint un peu tout. Et derrière, nous avons l'endroit où sont quelques paysans. Et évidemment, hein, on n'a pas fait beaucoup de maisons pour le moment. Et d'ailleurs, on va en faire un peu plus. On va en faire un peu plus parce que on aime bien en faire un peu plus parce que c'est sympa. Voilà. Puis ça crée une ambiance qui est quand même vachement cool. Donc je pense qu'on va rajouter des petites maisons ici. Voilà, on va se rajouter des petites maisons pour créer une petite ambiance. Et on va faire de la déco aussi, hein, parce que, par exemple, dans le château, dans le château, il n'y a pas grand-chose qui est décoré. Hein, la grande salle qui est là, elle n'est pas décorée. Celle du dessus non plus, etc. Enfin bon, on a beaucoup de choses à décorer. Il y a juste la salle des coffres. Voilà. Je voulais faire une cuisine par ici. Enfin, il y a vraiment des tas de choses... Voilà, on peut décorer un peu partout. Il y a la partie avec les chevaux, etc. Donc, voilà. Il y a de la place. Hein. Il y a de la place dans le château. On a de quoi faire. Oh, j'ai même pas terminé les murs, dis donc. J'ai pas fini les murs du châtal. Mais c'est honteux, ça, Madame Chambier. J'ai même pas fini les murs à cet endroit-là, dis donc. Incroyable. J'ai jamais vu que j'avais pas fini les murs dans le château. Un truc de fou. Voilà, merci Jokerems, c'est adorable, Jokerems. Qui a reçu pour son 47e mois, level 3. Voilà. C'est-il pas beau ça, madame? C'est beau ça. Merci Jokerems, je te fais des gros bisous. C'est vraiment super gentil. Voilà. Salut Kofi Mam, salut Mélodie, salut à tous ceux qui arrivent. Salut Arlox, j'espère que tu vas bien. Voilà,
Allez, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Et du coup, voilà, allez, je rentre dans mon corps, F4. Voilà, c'est un mode spectateur hein, que j'ai, qui est quand même sympa, et qui sert quand même bien. Ah oui, là, j'ai même pas fini les fauteuils et tout, on n'a pas mis tellement. J'en ai un petit peu sur moi ou pas? Qu'est-ce qu'on a sur nous, les amis? Bah, on n'a pas grand-chose, on va s'en faire un peu plus. Ah, bien sûr. À quelques menus escaliers. Ça, c'est des planques, donc c'est parfait pour faire quelques escaliers. On n'en a pas tellement, d'ailleurs. Oh non, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. 5, enfin 5, 20, ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est beaucoup plus mieux. Je vais laisser un décart. Alors, hop, hop, on va en mettre quelques-uns comme ça. Je vais essayer que là, ouais, c'est bon. Oups. Ah, c'est parti, hein. On attaque direct, hein, parce qu'on n'est pas là pour tricoter, hein. Quand même. Voilà, donc là, il faut quand même qu'il y ait de la place pour tout le monde. Alors, quoique techniquement, si j'aurais voulu être complètement RP, pour l'abbaye, il faudrait beaucoup, beaucoup de fauteuils, en fait. Ce qui est logique. D'ailleurs, on peut en faire sur deux étages. Parce qu'il y a quand même beaucoup de moines. Il y a beaucoup de moines. Et s'il y a beaucoup de moines, normalement, il devrait y avoir beaucoup de fauteuils. Et ben, on pourrait faire une double rangée. Un truc dans ce style. Et dans ce style, en fait. Voilà, double rangée. Crotte de bitch. Voilà. J'ai vu hein, beaucoup de trucs dans ce style, dans des abbatiales. Hein, vous avez une rangée du bas, une rangée du haut, et puis voilà, tous les moines qui s'asseyaient à cet endroit-là. Voilà. On va garder un endroit pour le cœur quand même. Et puis c'est bien. Quand même, histoire de dire qu'on est quand même quelque chose à cet endroit-là. Je suis en train de regarder. Non, mais tout est bon. Tout est bon. Par contre, j'ai pas beaucoup. Attendez. Depuis tout à l'heure, ce briquet, il m'omnubile. Allez, bienvenue à tous. Salut Caradium. Ça va, Vanders? Voilà. Ça tricote. Je te jure. Bim, donc il m'en faut un peu plus, effectivement. Je pensais pas, mais si, si quand même. Touch. 4x5, va aller, on remplit tout, on est des dingues. Allez. Donc en fait, du coup, j'aurais même pu tous les faire direct. Mais c'est pas grave. Hop, on va faire ça comme ça. Et pan. Voilà, là, il y a de la place, hein. Pour s'asseoir, il y a de la place. D'ailleurs, on pourrait presque continuer juste cette partie-là. Comme ça. Il n'y a qu'au fond, mais on met rien. Là, je vais couper là. Ici, on va en rajouter ici. Voilà, il y a de la place pour les moines. Hein. Ils vont pas nous la jouer, là, quand même. Hein. Là, on est bon, là. On est super bon. Bon, là, il y a de la place. Ensuite, pour les gens... important les gens. Bon, bah là on met rien, hein. Ça fait comme un peu. Ah bah si on l'a un petit peu comme un narthex à cet endroit là. Très bien. Là on mettra quand même, si je vais en rejeter, regardez, on va en mettre juste deux comme ça. Il m'en manque un seul escalier, évidemment, c'est toujours comme ça que ça se passe. Touch. Ok. Alors lui, il a rien compris au film, lui. Hop, 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 hop. Et voilà. Ah oui, c'est vrai, ça sert à rien. Et donc le dernier qui est juste un bridou. Juste là. Voilà. C'est cool. Donc ici, on va pouvoir mettre. Tiens d'ailleurs, on va mettre. Je vais la garder là. Cette table de craft là, j'en ai plein partout. Hop là, on va en mettre une en déco, par ici, derrière les fauteuils.
On va faire comme ça. Là, je vais mettre un autre machin. Je sais pas ce que je vais mettre. On peut mettre un bloc quelconque. C'est pas obligé que ce soit une table de craft. On va voir. Par contre, il me faudra absolument le truc par-dessus. Je vais le garder en oak. Je sais pas si j'en ai du oak. Qu'est-ce que j'ai comme... J'ai pris que ça comme, comme shulker. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce shulker-là, moi. Elles sont où toutes mes autres? Qu'est-ce que j'ai fait des autres shulkers? Je me rappelle plus. On va essayer de les retrouver. Ben c'est simple, on a fait le pont. Et après, on est venu pour décorer là. Elles sont pas sur moi, hein? Non. Puisqu'on avait juste surélevé un petit peu le cœur à cet endroit-là. Là, techniquement, on aurait pu avoir un genre de statue à cet endroit-là. Ou un ancien hôtel, comme il faisait à l'époque, qui les mettait au fond du cœur. Maintenant, il les rapproche un peu plus. Techniquement, l'hôtel aurait pu être plus loin. Oh, c'est trop gentil! C'est trop gentil! Salut Youad et salut, salut Lilou, j'espère que tu vas bien, que ton live s'est bien passé, merci pour ton raid, c'est super gentil, je te fais des gros bisous. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas sur quoi t'étais en raid. Ouais, ça va, ça va, ça va, j'ai passé un super bon week-end. J'ai été me promener à Compiègne samedi, tiens. Compiègne, ville impériale. On a trouvé plein de petits endroits incroyables dans Compiègne. C'est trop sympa. Super, super sympa. Ah, t'étais sur un scooter, j'y ai passé. Ah oui, pour le... Oui, c'est vrai que c'est des astuces qu'on pense pas forcément. Mais des choses qu'on découvre. Bah maintenant, j'ai beaucoup d'heures de jeu sur Enshrouded. Et du coup... J'ai largement plus de 150 heures de jeu sur Enshrouded, donc on découvre plein de trucs petit à petit quoi. Et ouais, ce week-end j'étais à Compiègne, les amis, c'était bien sympa. J'étais un peu crevé, mais c'est pas grave. Je suis sûr que rien que le samedi, on a fait au moins 10 bornes à pied dans Compiègne, sans problème. Et oh, ça fait drôle, là. Je cherchais parce que je savais. Qu'il y avait des restes du pont par lequel Jeanne d'Arc était arrivée en 1400, à peu près 1430 à la louche, hein, un petit peu moins, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, qu'elle était arrivée dans Compiègne par un pont. Et donc, je cherchais le pont, je savais qu'il restait des restes du pont. Et j'ai purée, c'est pas possible, impossible de le trouver. À un moment, je descends un tout petit escalier. Et en fait, oh, j'ai trouvé le reste du pont, c'était marrant. Même Edo, qui habite à Compiègne, il ne savait pas. Et même un autre truc, il reste des bouts de remparts du 9e siècle de Charles le Chauve. Incroyable. Donc, puisque c'était des... Compiègne, une ville impériale, mais aussi royale. Hein, donc, puisque, en fait, pour ceux qui ne savent pas, Charlemagne avait une grande maison à Compiègne. Sauf qu'on n'a plus de reste qu'à l'époque, c'était des maisons en bois. Mais on sait qu'il habitait au bord de l'Oise à Compiègne, Charlemagne. Et donc, du coup, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Et Charles le Chauve, c'est 9e siècle, donc 800 et des brouettes, c'est juste après Charlemagne. Donc, du coup, il a fait construire et fortifier Compiègne, et il reste tout un grand bout de rempart, mais qui n'est pas évident à trouver. Et le meilleur moyen, c'est d'aller au syndicat d'initiative, et eux, ils vous donnent une petite carte, et vous pouvez arriver à trouver où est-ce que c'est, mais c'est pas évident à trouver dans Compiègne. Hein. C'est marrant parce que on se demande ce que ça fiche là, à cet endroit-là. Il y a un petit parc et tout, c'est super beau. Et en fait, le pont, pour revenir au pont de Jeanne d'Arc, enfin, c'est pas Jeanne d'Arc, mais par lequel elle est arrivée dans Compiègne et elle s'est fait faire prisonnier juste après. Et ben en fait, ils ont construit une baraque dessus, donc il reste les arches. On voit que le pont, il a été coupé. Bon, par contre, après, au bord de l'Oise, il y a une grande bannière, mais il n'y a que les bateaux qui la voient. C'est incroyable, quoi. C'est super, moi j'adore hein, faire des visites un peu historiques et tout. Et puis après on s'est baladé dans le château de Compiègne. Oh, il y a une collection dans le château de Compiègne. Vous avez une collection de, j'allais dire, de chariots.
une collection de, comment dire, de, comment ça s'appelle, des chariots, comme des diligences, mais en fait vous en avez de tous les styles, quoi. C'est vraiment super beau, quoi. C'est incroyable. Donc juste avant l'automobile. Ah, donc vous aviez des. Oh, c'est pas possible de perdre le nom comme ça là. Des fois j'ai des trous de mémoire sur des trucs à la noix. C'est un truc de fou. Enfin bon, bref, sur des chariots toutes ferrées, il y a plein de bœufs pour tirer. Si là y avait quand même des chevaux. Des calèches. Merci, tu es pardonné pour les majuscules. Et bien sûr, oui, des calèches, mais pas que. Oui, il y a des calèches, mais il y a plein d'autres des wagons. Ça porte des noms un peu barbares, mais oui, c'est ça. Grosso modo, c'est des calèches dans tous les styles. Il y en a plein, plein, plein. Des calèches royales, des machins, des tout sculptés, rien que les roues. C'est impressionnant. Vous avez des roues avec des détails, avec des trucs en or qui sont cloutés dedans. Enfin, rien qu'une roue, ça vaut une fortune en fait. C'est un truc de malade, quoi. C'est impressionnant. Voilà. Et ça, tout ça, c'est au château de Compiègne. Ça vaut vraiment le coup de le visiter. Mais c'est. Oui, t'inquiète pas, Arnaud, ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Salut H. Alors, du coup, c'est bien. Donc, on a fait nos escaliers. Ah oui, je sais ce que je voulais. C'était du bois. Et d'ailleurs, il me restait des bibliothèques ou il m'en restait pas. On a toujours pas trouvé où est-ce que c'était. En fait, comme on a construit là-bas, deux possibilités. Soit les shulkers, ils sont restés là-bas. Non, je les avais ramenés. Hein. Je crois qu'on les avait ramenés, les shulkers. Je veux pas dire de bêtises, mais range ça, toi, tu vas faire des bêtises encore. Je crois bien que je les avais ramenés. Je suis pas sûr, mais oh, bien vu la dame. Super. On va les faire en bois plus clair. Donc je vais prendre un peu de ça, un peu de ça. On va prendre un peu de ça. Éventuellement un peu de ça. Même si c'est un peu clair à mon goût. Mais ça va bien pour faire ce que je veux faire. Donc c'est pas grave. On peut prendre un peu de ça pour la déco éventuellement. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai fait de tout ce qui est déco? Ça m'étonnerait beaucoup que j'ai déjà dépensé toutes mes bibliothèques. Si, c'est possible, on en a collé beaucoup, hein, des bibliothèques. On va aller voir. J'en fais du bruit avec mes godasses dans Minecraft. Beefsteak. Pourquoi j'ai ça sur moi? Non mais, il y a des trucs que j'ai sur moi, tu te demandes. J'étais trop vite, c'est ça? Beefsteak. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà, on mange. Ok, bisous, Canilou. Alors. Ah, c'est ça, les bestiaux. Oui, je suis en mode hardcore, Yonouman. Je suis en mode hardcore. Donc, pas le droit à l'erreur. Bon, alors déjà, on est obligé de remonter là-haut. Et je vais aller chercher des bouquins après. Oh, attendez, on va faire le feignant. Hein. On a des fusées, on en profite. Aïe, aïe, je me suis cogné. M'en cogné. Hop. Donc déjà là-dedans, tous les blocs foncés, on n'en veut pas. C'est bon, on a eu ce qu'on voulait. Les blocs comme ça. Bon, je les mets là en attendant. Bien sûr, ils ne vont pas rester là, mais en attendant. Voilà. Là, comme ça. On les connaît, les en attendant. Hein. Je peux ranger ma baguette magique. Ça, je peux peut-être en avoir besoin. Mais ce que je voulais avant tout, c'était des livres pour faire des bibliothèques. Hop là.
quelques bouquins. On est large. On est tranquille. Par contre, en bois, qu'est-ce que je vais prendre comme bois? Puis on va se prendre du bois comme ça. J'en ai pas besoin de beaucoup. Là, j'en ai beaucoup de trop, là. Il est fou, lui. Certainement pas, certainement pas. En vrai, je peux en prendre que deux. Ça devrait suffire pour le moment. Je vais en prendre que deux pour le moment. Le reste, on va le garder de côté. Et tac, tac, tac. Ça, j'ai ça, j'ai ça. Ouais, ça va aller. Je pense qu'on va réussir à se faire un truc correct avec ça. Salut, Moscap. Et puis, on remonte par là. Ça va plus vite. Hop là. Oh, c'est bien ça. Bien sûr. Vous allez voir ce qu'on va faire. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vraiment pas beaucoup décoré. Même là. Ouais, si on peut laisser ça apparent. Ouais, j'ai mis des blocs comme ça. Oui, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Sauf que j'aurais bien aimé. J'aurais pu mettre en fait au-dessus des blocs. Ouais, ça aurait peut-être fait beaucoup de blanc. Ouais, non, on peut laisser comme ça, c'est pas gênant. J'aurais pu mettre un bloc blanc, un bloc blanc. Ça aurait peut-être fait beaucoup trop, un peu trop chargé. Déjà là, il y a de la couleur. Hein. Déjà là, il y a déjà pas mal de couleurs. Ouais, non, allez, on est bien comme ça. On est cool. Alors, les bibliothèques. Voilà. J'aurais pu... Ouais, non, mais les moines, ils les ont sur eux. Exagéré. Qu'on va mettre ici. Ici. Là, j'ai dit qu'on mettait un bloc plein. Peu importe. Hein. Ça fait comme une table. Hop. Ça, ça va aller comme ça. Et ça, ça va aller comme ça. Voilà. Comme ça, quand tu rentres dans l'église, hop là, tu prends le micel et c'est bon. Ça, c'est pour les paysans. Hein. Le châtelain, normalement, très souvent, il a sa propre chapelle dans le château, très souvent. Mais les paysans, ils pourront venir là. Là, il y a la place, il y a pas mal de place pour les moines quand même. Même si c'est une grande abbatiale, ouais, non, peut-être pas assez, mais on dira que oui. Ils font les 3-8. Oh. Ça va mon Edo? J'ai rien loupé hein. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, ça va bien, ça va bien. Ça y est. Skip. Je te jure. Donc vient notre sire. Qui est ce vilain? T'es en forme, Skefrep. Merci DJ Plastique pour ton 34e mois d'abonnement, merci beaucoup. Je te fais des gros bisous, c'est super gentil. Voilà. Ouais, à l'occasion Edo, je te montrerai si on se retrouve un de ces quatre à Compiègne. Coucou Lynn. Si on se retrouve à Compiègne, je te montrerai des petits endroits qui sont incroyables. Il faut sortir des sentiers bien battus et on arrive à trouver des trucs de fou en fait dans Compiègne. Mais faut chercher juste un petit peu, faut chercher un petit peu. Voilà, alors, j'étais en train de me demander au début, je veux pas la surcharger, cette chapelle. Il y a un truc, par contre, qui va être indispensable, entre guillemets, on va le faire là, parce que c'est rigolo. Par contre, avec les blocs, oh, ouais, on est obligé de le faire avec des gros blocs. Ça, c'est quand même embêtant. En spruce, c'est... Pourquoi j'ai des plantes de mangrove? Je sais pas pourquoi j'ai ça sur moi. Ouais, mais c'est pas grave. Ça, c'est quoi? C'est du spruce. Il faudrait... ou alors, on met l'intérieur avec ça. Et puis, on pourrait le faire en spruce. Donc, je réfléchis, hein, je réfléchis. Ouais, non, en haut, ça sera plus joli.
Par contre, j'en ai pas assez. Crotte de nez. Je pense que j'en ai là-bas du hawk. Je pense. On va passer par là. Ça sera plus rapide. Allez. Prends le chemin de traverse. Hop là. Bim. Je te jure. Allez. On va se prendre un petit peu de bois comme ça. Paf. Là, non, on est large. On est bien. Celui-là, je pense que j'en ai plus besoin pour le moment. Sauf au niveau de la couleur, si je vais quand même en garder un petit peu. Mais ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. On va le mettre là en attendant. Et on est pas mal. Allez, on est pas mal. Ah, je sais ce qu'on va mettre. On va pas faire une statue. Moi, je suis bête. Je viens de penser à quelque chose. Quand même. Non, non, je les ai, les monstres, hein, j'ai tout. C'est très peu modé, c'est vraiment très, très axé. Comment dire? C'est très, très axé. Déco, musique, voilà, le mode, il est surtout comme ça. Ah oui, je voulais mettre des carpettes aussi là-dessus. Des carpettes blanches. Alors, quand même, nom de Zeus, c'est une église. Il n'y a pas de croix. Non, mais allô? Vous êtes sérieux? On va s'en faire une juste là. Ça va bien tomber. Ça va bien tomber juste là. Avec la lumière devant, ça va le faire. L'autre, il fait une église, il n'y a pas de croix, quoi. Allô? Tac, 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 tac. Alors, on va s'en mettre une juste là. On va la faire en bois, comme ça. Hop là. On va pas faire trop gros. Ça sert à rien de faire trop gros. Je pense que comme ça, ça suffit. Hein, qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, c'est bien, c'est bien. Comme ça, on a l'hôtel, on a machin. C'est parfait. C'est parfait, ouais. On mettra juste des nappes à cet endroit-là. Et ça sera très bien. Alors, par contre, il y a un truc que je voulais faire qui est rigolo à faire. J'espère que... alors, j'ai pas fait de plan rien, donc on va le faire un petit peu à l'arrache. Alors, évidemment, il aurait fallu avoir des murs plus fins, mais écoutez, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Tac, 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 tac. Donc là, on va faire. On va le mettre là, comme ça. Hop. Là, pour la séparation, je mettrai une pop-porte. Ok. Tac, tac, comme ça. Là, on va mettre ça, genre, comme ça. C'est pas mal. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, ça, c'est bon. Il nous reste deux escaliers, c'est parfait. Un ici, un ici. Allô, la petite paporte. SS, là. Voilà. Hop là. Ça, on est assis là. Ah, c'est bien. C'est bien. Ah, mais j'en ai plus qu'une. Ah, crotte de bique. Il m'en faut une autre. Ah, crotte de bique. Putain, là, il y a une table de craft. Bon, bah. On aura plus que ça. Alors, une là, ok, ça c'est du confessionnal de compétition, madame. Ok. Voilà, puis pour faire joli, j'ai des escaliers à l'envers, ma bien sûr. Tac. Mes bien chers frères, mes bien chères soeurs, reprenez avec moi tout son cœur, pas de boogie-woogie. Oh, ça fait un peu trop gros. Ah, ça fait trop gros. Zut alors. On sait pas, on va le faire autrement. Ça fait beaucoup trop gros. Ça fait pas joli. Donc dans ce cas-là, on va le faire avec des rainures à l'envers. Ça va être plus sympa. Ça fera moins gros. C'est comme ça en fait. Hop, hop. Voilà, c'est bien aussi ça. Ça fait une petite déco. Déco simple et efficace. Voilà. Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Oh, Dieu, oui. Voilà, c'est bien.
Très très bien, on a le confessionnal, on a l'hôtel, il nous manque plus que des carpettes. Et puis au niveau des bougies, j'en ai mis normalement là. Ouais, j'en ai mis, super. J'ai pas fait de chapelle rayonnante, hein, je crois. Ah si, un petit peu. Oh bah oui, bah dis, bah alors. Si, si, très bien. Du coup, on va mettre... Choc, choc, choc. On va le mettre plutôt à l'envers. Donc, on va faire bim, bim et bim. Comme ça, ça fait presque trop. On peut même le laisser comme ça. C'est sympa. Hop. Tac. Ça sert à rien d'en mettre 3 milliards. C'est vrai que mon briquet, il commence à... Je sais, je sais. Oui, je sais, je sais. Il est presque mort, le bétail. Ah oui, là, il est vraiment presque mort. Est-ce qu'on va réussir à allumer ce qu'on veut? C'est pas sûr. C'est pas sûr qu'on ait assez. Alors, du coup, des dalles, elles sont là, là. Coucou, Ekichi! Merci à toi pour ton 41e mois de sub. Oh, c'est beau. Merci à toi. Salut, Happy le lapin. Oui, la minimap, c'est un mode. C'est vraiment un truc que je trouve bizarre qu'elle soit pas dans Minecraft. Alors, ah bah tiens, je l'ai plus, là. Je l'avais en haut à droite, ma minimap. Mais sinon, je l'ai... je l'ai là, la minimap. Je l'ai en grand. Avant, je l'avais là, mais bon, bah, elle a disparu. Mais c'est pas grave, tant qu'on l'a... Je trouve ça logique d'avoir une map dans Minecraft. Alors que tu l'as dans absolument tous les jeux vidéo, pourquoi dans Minecraft il n'y aurait pas de map hein? Ça, c'est... Il y en a une, mais la map de brun, on voit rien. On voit rien. Ils sont sérieux. Voilà. Voilà. En tout cas, merci pour ton sub, Kishi, c'est gentil. Voilà. Là, j'ai quand même une grosse torche. Ça fait un peu balèze. Ah oui, c'est pour pas que ça spawn ici, mais on va voir à les mettre autrement. On va les mettre autrement, les torches. On va les mettre plutôt là, ça fera plus joli. Genre là. Surtout que maintenant, on a une règle qui est bien. Il y a 15 blocs, on a le droit à 15 blocs d'écart pour pas que ça spawn. Et là, je pense que là, on va être bon. Ça, c'est plutôt cool. Bloc plein, hop. Hop, hop, hop. Donc, on va remettre un ici. Hop. Et hop. Crotte de nez. Petit, on va faire un petit total ici, dans les chapelles. Et il faut que je reprenne mes petites bougies. Qu'on les mette là. Donc on va mettre hop, hop, et hop, ça suffit. Ah, crotte, j'ai cassé mon briquet. Évidemment, évidemment, il me reste 3 bougies à allumer. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Bon, c'est pas grave, c'est un bout de fer et un flint. Ouais, mais du flint, je vais pas en avoir ici, évidemment. Bon, c'est pas grave. Allez, de toute façon, c'est le genre de truc que je vais avoir besoin tout le temps. C'est bien ça. Oh, c'est la poule qui m'a fait peur. La poule m'a fait peur, quoi. C'est sérieux. Ok. Voilà, c'est les torches tant que c'est pas. Tant que c'est pas décoré, on peut les laisser au sol, c'est pas gênant. Donc j'ai besoin de flint. On va se prendre un flint comme ça. On va se prendre un petit bout de fer. Du fer, on en a trop. Beaucoup trop de fer. Hop. Choc. Un briquet, s'il vous plaît. Il est là.
tout neuf, un bridget tout neuf, incroyable. Parfait. Hop. Et ben voilà. Donc là, du coup, perception de la fusée. Hein. J'ai la flemme de remonter à pied. Hop là. C'est bien. J'ai oublié les petits pots. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Petits pots et carpette d'ailleurs aussi. Bon là, les bougies, on peut les laisser là. C'est bien. Ça, c'est bon. Ouais. Alors là, on a ça. Et ça, voilà, c'est bien. J'aime bien l'ambiance que ça crée dans les petites chapelles rayons. Comme ça, c'est cool. Très, très bien. On aurait pu avoir des petits tableaux. Le problème, c'est qu'en tableau, on n'est pas très gâté. Ou alors, je fais des petits tableaux de 1 sur 1, éventuellement. Éventuellement. Mais bon. Après, j'aime bien aussi un petit peu d'austérité, c'est sympa. Mais c'est vrai que ici, normalement, enfin, normalement, on aurait pu avoir des fenêtres un peu plus hautes et avoir tout le chemin de croix qui aurait été autour. Mais bon, allez, on va pas pousser mémé dans les orties. On est déjà pas mal, on est déjà pas mal comme ça. Voilà. Tu mangeais pas de beefsteak, Yonouette, c'est ça? Mode végétarien. Pourquoi pas, ça peut être des façons de jouer. Il y en a qui inventent plein de façons de jouer différentes dans Minecraft. C'est rigolo. Voilà. Voilà. Donc, carpette, peau, et puis ça sera parfait. J'ai envie de dire. Et encore les pots, c'était juste pour mettre des fleurs devant. Allez, on récupère le matos, on va quand même les mettre. Des pots, des carpettes. Oh, j'ai toujours peur de péter un truc. Hop là. Pot, carpette, et ça ira bien. Voilà. Et après, on va se faire une ou deux baraques, mais deux travioles. On va faire. Maintenant, j'ai pas besoin de fusée là. On va se faire une maison, un peu de traviole et une droite. Je pense que ça va être cool. Sans table de craft. Sans table de craft. C'est chaud ça, non? Ouais, mais enfin, quand même. C'est chaud, quand même. Les bouquins, je les remets là. Ça, on pourra le garder. On pourra le garder là-bas. Et donc, j'ai dit dépôt. Et des carpettes. Dépôt et des carpettes. Clay bridge. Dépôt. Oui, 3, ça suffit. Allez, 3, ça suffit. Trois petits pots. Trois petits pots et puis s'en vont. Puis on va mettre. Allez, une comme ça. On va mettre une comme ça. Parce que j'aime bien. Tiens, les bleus aussi, j'aime bien, c'est joli. Voilà, c'est bien. Ça fera mimi. Les carpettes, les carpettes, les carpettes. J'aurais presque pu mettre des bannières aussi. Ah, ça, c'est pas bête. Oh, c'est pas bête. Ah, puis j'en ai que 3. J'ai pas cette bannière blanche. Touch. On va se vider là. On a du brin sur nous, ça va pas. Alors, birch. Du birch. Ça, déjà, ça va faire du vide. Je sais pas pourquoi j'ai ça depuis tout à l'heure sur moi. Ok.
Ok, c'est pareil pour les grelots là. J'en aurais peut-être besoin tout à l'heure, mais pas pour le moment. Donc elle, on va les mettre là en attendant. Peu importe, peu importe, peu importe. Ici. Oh, il y a le chapeau de Mexicain. Je me rappelais même plus que j'en avais fait un. Hein. Alors, il me faut quelques cisailles. C'est pour faire un petit test. J'en ai peut-être là-dedans, d'ailleurs. Bah oui, tiens. Bim. Alors, les bougies. J'avais fait un coffre un peu déco. Je sais plus. Tiens, regardez. Paf. Ah, bah tiens, je les avais mis là. Ah, puis j'en avais des pots là-dedans, crotte de biche. Attends, je vais reprendre mes lanternes. Ça, d'ailleurs, c'est de la déco, les cloches. On peut les mettre là-dedans. Les cloches. Ça, je peux le mettre là-dedans. Ça, c'est bon. Et donc, du coup, on va s'occuper des moutes-moutes. C'est où la sortie? C'est là. Ouais. On va se faire quelques moutes-moutes. Et ça ira bien. Ah, j'étais coincé, dis donc. Attention, les gars, me voilà. Moi je vais juste un peu de blanc. Pas besoin de beaucoup. Ok. Bon, on est bon hein. Combien j'en ai 3 x 6, 18. On est bon largement. Parfait. Il a poussé. Je te jure. En vrai, je peux repartir directement. Je peux repartir directement là-bas. Je les ai toujours mes petits bâtons. Ouais, super. On va faire un petit test. On va voir si ça marche. Hop là. C'est bon. Pam, 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 pam. Roulez. Parfait. Que l'hôtel il ressort pas des masses. Alors du coup il me faut deux comme ça. Hop, hop, hop. Ça on va le mettre ici. On va faire 1, 2, 3. Et j'aimerais bien voir. Il me faut la table de craft qui est là. Hop. Et on va faire ce breu. 1, 2, 3. Je vais voir si ça marche, hein. J'en suis pas sûr. Mais normalement, je pense que ça peut marcher. Oh, c'est pas mal. Bon, évidemment, évidemment, il n'y a pas la jonction. Mais écoutez, c'est pas si mal. Ah oui, mais par contre, si je mets les pots juste devant, ça va peut-être passer. Si on les met, admettons, pouette, comme ça. On va pas faire bleu, blanc, rouge, hein, parce que sinon ça va faire un peu bizarre. Ah, donc voilà. Comme ça c'est bien. Voilà, ce type à Mimi. Bon, c'est minimaliste hein, comme déco. On aurait pu faire beaucoup plus chargé. Genre baroque et tout, avec des machins et tout ça, mais. Voilà. Les moutes-moutes. Ok, et eh ben écoutez, moi je dis que cette petite abbatiale, elle est mini. Hein, évidemment, elle n'est pas tibulaire, mais presque. Non, non, c'est bien. C'est bien. Là, les reliquaires sont pleins. Après, j'aurais pu. Ah ben non, j'ai que un d'épaisseur. Ouais. Non, c'est bien. Moi je dis c'est bien. C'est bien éclairé. C'est bien. Je pense qu'il faut pas qu'on charge de trop la mule. Moi, ça me paraît correct. Ah, mais si, là, j'aurais... Non, mais si, c'est bien de faire comme ça. J'aurais pu mettre des barreaux... Ouais, non, c'est bien. Allez, c'est bien. On va laisser comme ça. Allez, ça, c'est fait. Et on est super content. Alors, du coup, on va récupérer nos shulkers. Parce que on va les faire, les amis. Une petite baraque médiévale à son pépère. Hop là.
On a du temps là, ouais, on a du temps. Oula, 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 oula. Oula, qu'est-ce que on ferme les portes. Ah, ça fait 3 jours que je tousse comme un mort la nuit. Je me soigne avec du miel. Ça arrive à passer dans la journée, mais en fin de soirée, c'est un peu dur. Hein. Voilà. Ce mode pseudo-vol? Non, ben c'est les élytras. C'est des élytras que tu peux avoir dans l'End. Donc, alors ça fait très longtemps que tu n'as pas joué à Minecraft. Mais voilà, on peut avoir des ailes et puis voler dans le jeu. C'est bien, hein? Avec des fusées, là, qu'on se fabrique des feux d'artifice. Alors, le bois. On va remettre ça là-dedans, ça là-dedans, ça là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai 2 trucs de dirt sur moi, mais ça aussi d'ailleurs. Les portes aussi, ça aussi. Ça c'est bon. Et toutes les shulkers, les carpettes. C'est quoi là-dedans? Ouais, non, c'est de la diorite. Je vais même pas l'utiliser normalement. Non. Ça oui, je vais l'utiliser. Ça aussi. Oh, ça sent bon. C'est fait exprès ça. Ça, on va l'utiliser. Allez, je vais prendre toutes ces shulkers là. On va prendre toutes ces shulkers là. Des tables de craft, j'en ai plein normalement. J'en ai pas mal. Ok. Salut Vogelt. Oui, alors par contre, faut faire attention, les élytras. Le problème, c'est que ça, t'as moins d'armure puisque t'as plus ton plastron. Il faut faire attention. C'est quand même génial de pouvoir voler dans Minecraft. Hein. Mais par contre, il faut faire attention. Les élytras peuvent s'user. Mais il faut fabriquer des fusées. Normalement, l'idéal, c'est d'avoir une usine. J'avais commencé à en faire une, mais je l'avais pas super bien. Elle n'était pas très réussie. Je vais garder la dirt. C'est plus pratique que les échafaudages. Je trouve. Pour faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Paf. Voilà, donc ça c'est bien. Comme ça on va un coup d'un côté, un coup de l'autre. Vous me voyez. Est-ce que ça va passer là, si je vais... J'aurais dû monter. Ouais bon allez, c'est pas grave. On va en utiliser une. Elles sont mimi hein, ces petites maisons là. On va s'en faire... tiens, j'ai gardé un stone cutter à cet endroit-là. Ah oui, si, il y a ça qu'on voulait meubler. Ah, attendez, on va ruser. On va faire, hop, on va faire déjà une porte qu'on va mettre dans l'arrière-boutique. Ici. Voilà. Je me suis bien là-dedans, quelque part. Pas de cheminée, lui. Tu te chauffes comment, garçon? On va en mettre une par là. F4. Reviens dans ton corps. En fait, on peut faire un genre de boulangerie. Hein, il faut cuire le pain, puisqu'on a le meunier, on a tout ce qu'il faut. Ça sera legit, ça, madame. Bon, par contre, c'est embêtant que j'ai pas... J'ai pas de shulker de... Ça, c'est pour le toit. J'aurais dû le mettre par là. Ou même plus là-bas, même encore. Hop. Parce que là, je vais refaire une baraque ici. On va faire une baraque par ici. Ça va être sympa. Alors, toutes les shulkers, on va se les poser là en attendant. Ça fera du vide. C'est ça, il faut absolument que je le garde. Tac, tac. Tac, et tac. Ok. Et ben on est bon là.
On est bon. Bim, 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 bim. Donc il me faut juste bloc de stone, machin. Ouais, j'en ai un petit peu là. On va pas s'embêter. On va chercher. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Une des phrases que j'ai le plus entendues dans mon enfance. Alors. Oui, tu peux être vegan et voleur, hein. Pas de problème. Voilà. Tagazougazou, tagazougazou. On va se faire ça, on va se faire. On va s'en faire deux, des fours. Comme ça. Ok. J'aimerais bien me faire un truc au feu de bois. Parce que ça, c'est des petits fours, mais après, on va faire un plus gros four. Donc, il faut charbon. Ah bon, tu me diras, il y a du charcoal ici. Non, je vais en faire qu'un seul. Ouais, je vais en faire qu'un seul. Tac, donc il y a du bois. Il me faut des bâtons. Je les ai plus sur moi. Je vais les faire là-bas, les machins. Parce que j'en ai besoin. Si j'en ai assez, ça. Perdu. C'est pas ça, c'est des bûches qu'il faut. Voilà. Tac, 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 c'est ça. Ah, le birch, j'en ai plus besoin, je peux le ranger. Ok. Et pareil pour la laine. Pour l'instant, on peut la ranger aussi. Voilà, c'est bien. Est-ce qu'on mettrait pas un petit tableau en déco dans le machin? Bah, allez, c'est bien. Il reste aussi, on va peut-être le faire avec des briques, ça sera plus joli. Clay brick pour le haut. J'ai plus de bloc de briques. Alors ça m'étonnerait beaucoup. Si je crois qu'ils sont. Je sais où est-ce qu'ils sont. Normalement. On va voir. Le gazou. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore de chemin, on en fera un. En fait, quand tu veux vraiment décorer, t'as mille et un trucs à faire. Hein. C'est du non-stop, quoi. On va se coller un lit là en attendant. Ça va, Shizen? Ah, pardon, ouais, on avait... Ok. Eh ben, c'est bon, ça. Alors, viens là toi. On va lui mettre une cheminée par ici. Comme ça. Donc du coup, pour le bas, on va le faire avec des blocs de granit. Et pour le haut, avec des glaces. Tiens, je savais bien qu'on en avait des trucs comme ça. Par contre, j'aurais bien aimé un petit pot supplémentaire, ça m'aurait fait plaisir, mais... Je suis pas sûr qu'on en ait, mais c'est pas grave, on va prendre ça, puis on va prendre ça. Allez. Hop. Bim. Ok. C'est cool. Ah, oui, c'est obligé qu'il soit en bas, lui. On remarque qu'on peut le laisser là. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Ou c'est pas gênant. J'avais une hache dans le temps. Elle est toujours là. Hop. On va faire ça un petit peu RP. Au moins, ma... Comme ça, on est fou. Mais... Ok. Les escaliers sont comme ça, mais c'est grave. On va se faire ça. Ça. Puis on dira que l'intérieur est creux. Hein. On dira. Et pouette. Granit. Voilà, éventuellement j'aurais pu mettre genre une trappe d'or ou je sais pas quoi devant. Ouais, ça ferait pas mal.
faire des tests. Hein. On va s'en prendre une. On entend le petit train. Hop. Hop. J'aurais bien aimé virer le bloc. Voilà, très bien. Très bien. Tac, comme ça la fumée... On dit qu'elle passe dans le tuyau. Bien sûr. Et donc, on est sur la poutre. On est sur la poutre. Bloc de dirt, on va se faire ça à la dirt gentiment. Hop là. Quoi? Ah, ça passe là. Il est fou lui. Ok, donc on va être juste là normalement. Hop là. Ok, ça c'est bon. On peut remettre ça. Puis là on va mettre de la brique, ça fera plus joli. Hop. Et puis au niveau hauteur, là je vais y mettre quoi, juste un petit pot, ça sera bien. Des petits pots, il m'en restait en déco. Hein. Il m'en restait normalement. Je vais en mettre un. Non, mais je vais les prendre tout de suite les autres. Si on fait les autres cheminées pareil. Par contre, j'ai plus que 4 briques. J'ai plus de briques du tout, moi. You sure of that? Non, les briques, c'est là. Ah oui, non, il me reste. Ah si, il me reste ça. 28, 23, 20, 21. Donc il m'en reste une. Donc on va en faire. On va en cuire 20. Vite fait. Attendez. Eh, ça va bien. Tac, ça c'est bon. Ça c'est bon. On va se prendre ça. Parce que c'est joli. Voilà. Lundi, des patates, Marie, des patates aussi. Ok. Range tes fusées, toi. C'est pratique, hein, les élytras, pour se déplacer vite, c'est quand même super. C'est quand même super. Donc là, on voit le machin là. Évidemment, là, il aurait fallu... il aurait fallu une porte supplémentaire. J'en ai plein des portes comme ça, on va s'en mettre une autre. D'abord, on va mettre les fours sur le côté. Je vais les mettre sur des blocs plutôt solides. Voilà, on va les mettre sur des blocs comme ça. Pour les pains. Hop. Paf. Paf. Voilà. Ça c'est bon, on va mettre ici deux petits machins. Alors merci Heisenberg, 4TTV, merci à toi pour ton subprime, pour ton troisième mois, c'est super gentil. Je te fais des gros bisous et merci pour ton soutien, c'est super gentil. Pouette pouette, ça on se met ça là. On va se mettre un petit pot ici pour la déco parce que c'est joli. On va s'en mettre un pour la cheminée. J'arrive plus à sortir. Voilà. Oui, c'est tout simple, hein. J'ai pas fait grand chose, je rajoute juste une poporte. Et puis ça fait le taf, si on veut pas trop s'embêter, ça fait le taf en vrai. Donc, comme ça, ça je peux ranger, ça je peux ranger. Pourquoi j'avais pris une autre trapdoor, je sais plus, j'avais pris deux. Ah ouais, bon, je sais pas, je vais garder. Pouette. Voilà. Bon, j'aurais pu ramener un item frame en mettant un pain devant. Ouais, si, ça serait bien quand même. Je suis en quelle version? Ah non, j'ai pas les panneaux de Praviol. Ah, c'est dommage que j'ai pas. C'est en 1.20 et quelqu'un qui a les panneaux de Praviol, là, les panneaux perpendiculaires. Il faudra que je passe en 1.20 si ça... Je suis en 1.19, 3 ou 4. Et... Ouais, quoi qu'il y a des petits mods que j'ai pas... ça, ouais, ça va être embêtant.
Genre la baguette magique, tout ça. Alors ça c'est bon, faut pas que j'oublie ça. Je suis parti chercher quoi là? Ah oui, une peau de bête. Une peau de bête. Pardon. Tac. Il me faut des bâtons. Je crois que j'en ai, mais on va pas prendre le risque de faire 300 km supplémentaires. Hein, ça sert à rien. On va en faire à deux. Tac. Paf. J'en ai pas d'autres. Ah oui, mais c'est x2. C'est vachement chouette. Ouais. On dirait de l'avarice. Non, c'est l'inverse. Tac. Et tac. Voilà, il me faut un pain. Voilà, très bien. Voilà. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Salut le corbloc. J'espère que ça va bien. Oh là. Ouais, c'est dangereux hein, de boire ou conduire. Lire ses SMS en bagnole et pan, tu te prends un arbre. Hein, c'est vite fait. Hein. Ok. Là, on va le mettre là. Bonjour, je vends du pain. C'est super. Hein. Et voilà! Magnifique! Oui, j'ai pas encore les panneaux, les panneaux de traviole. Hein. Je crois que c'est en 1.20. Ouais, ça va bien, ouais. J'ai passé un bon week-end, un peu fatigant, mais. J'étais déjà crevé vendredi, mais. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, si j'ai oublié un truc très important. Sur le toit. Sur le toit. On va monter un peu. Voilà, comme ça, on fait des cheminées un peu différentes. On va pas faire toutes les cheminées comme ça. Hein. Là, on va faire les cheminées comme ça, tout simple. Voilà, il est content, Rosco, c'est bien. Il n'y a pas tout de la fumée à tous. Ok. Eh ben, écoutez, j'ai envie de dire que là, on est pas mal. J'ai envie de dire qu'on est pas mal. Bon, il y a les fours, les machins, tout ça, c'est parfait. Allez. Est-ce que j'ai de la lumière à l'arrière? Oui. Oui. Très bien. Et là, c'est parfait. On s'est pas beaucoup meublé, je sais bien, mais faut quand même pas rigoler. Hein. Normalement, je fais pas de déco, moi. Je fais que de l'architecture, mais là, on s'y met quand même un petit peu, c'est sympa. Alors, cet arbre-là, je voulais le garder, je le trouvais joli. Il était beau, cet arbre-là. Ouais, il est sympa. On va se faire une baraque, un petit peu de traviole, tiens. Ça va être sympa. Ça va changer un peu. Hop. Et hop. On va s'en faire une, comme ça. Ça, je vais virer, on va virer ce truc-là. Ça normalement c'est pas les mêmes donc ça devrait tomber tout seul logiquement. Jusque là ça devrait tomber. Ok. Et puis pour les machins, on verra après. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai de la dirt, très bien. On va mettre tout ce qui nous enquiquine là-dedans, c'est plutôt pas mal. Les bâtons, faut les garder. Ouh. Ah oui, j'ai oublié de faire cuire les. Le pot, on va le garder là. J'ai oublié de faire cuire mes bobos. Salut, Benjamin. Alors, pourquoi je me planterais en Elita? En Elytra, il n'y a pas de raison. T'es méchant un petit peu, ce qui est frappe. Tu souhaites que je me fasse du mal. Eh oui, le roi des singes, le roi Louis, bien sûr. Hop là. Je suis perturbé aujourd'hui. Hein. Ça va pas, ça. Hein. Les fours, ils sont en bas. Et hop. Allez.
Ah oui, c'est vrai, j'avais fait cuire des trucs comme ça. J'avais fait cuire des trucs comme ça. Et ben là, j'en ai combien? J'en ai 20. Allez, tant pis. On va perdre un truc. C'est pas grave. Bureau PC. Tac. Et tac. Voilà, on les récupérera l'année prochaine. J'avais là-dedans, j'ai rien. Et ben, combien il y en a? Un, deux. Allez. Tac, c'est bien. It's perfect. Ou presque. Pourquoi j'ai un escalier? Ah oui, je sais pas. Ok, ça c'est bon. Il me reste même un tableau qu'on peut placer quelque part. C'est un tag. Faut que j'arrête de construire la nuit. C'est quand même très dangereux pour les builders. Chose qu'on ne fait jamais normalement. Voilà. Tiens! Bon, ça va, c'est pas un creeper. Tu nous fatigues un peu, toi. Je te jure. Qu'est-ce que c'est que ces bestiaux, là? Ok. Bim et bim. J'aurais pas moi de tes yeux pour vivre. Ok. Ça va là-dedans. Il reste un petit pot de confiture. C'est bon. Là, on est toujours en chemin de terre. On verra. On verra. Pour l'instant, on reste en chemin de terre. On réfléchira au truc ultérieurement. Pour la maison, quoi que si je mets une maison de traviole, ça va peut-être être obsolète. Voilà. Ah oui, il y a si un petit tableau que je voulais mettre. Un truc de 1 sur 1. On va mettre genre là, il est trop grand. Oh, c'est marrant, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, allez, c'est bien, c'est marrant. Ça fait un peu de. Ah, quoi que je l'aurais mieux vu, un petit tableau au-dessus là de la porte, ça aurait été. On l'aurait mieux vu, le truc. Tac. Tac, très bien. Voilà. Parfait. Voilà. Enfin, un petit peu de déco, c'est bien, c'est bien. Il est content, Roscoe. Alors. Another one. Que je regarde un peu le style. Tac, tac. Là, je vais faire sortir, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'habitation. C'est plus joli parce qu'il y a du relief. Par contre, au niveau habitabilité, voilà, c'est le seul inconvénient. Pourtant, elle a l'air grande hein, comme maison. Hein. Enfin, elle a l'air seulement. Faut pas que je fasse trop grande, faut que je fasse des petites baraques. Là, on va faire dans le même style, au niveau hauteur. Faire un cran plus haut histoire d'avoir un sous-sol qui part. Ouais, ça va aller. On va se faire un truc comme ça va être marrant. Donc on va se prendre ça, 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 ça. C'est pas mal. Faudrait qu'on fasse des petits escaliers. Alors on va la faire légèrement de traviole. Donc je dis qu'on peut la démarrer. Là, qu'est-ce que ça dit ça? Pile poil. 3, 3, on l'a fait comme ça, ça suffit, ouais, ça c'est grand ça, ouais ça ira, du coup, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on va faire comme ça, ça fera bien l'affaire. Ça fait un peu petit. Hein.
Ça fait un peu petit. On va l'agrandir un peu. Ça sera un peu mieux comme ça. Bon. Hop là. Voilà, comme ça c'est bien. Au niveau hauteur, je vais la faire un tout petit peu plus haute que celle-là. Comme ça, on aura un petit ponton pour grimper. Et ici, on fera une entrée de cave. On fera une entrée de cave comme ça, juste là. Ici. Pas que je fasse trop gros. Hop, 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 hop. Ouais, c'est bien, ça suffira. On va pas s'embêter, hein, je vous le dis. Hein. Pas trop. Ok. On mettra un appentis, mettra un petit machin, ça fera bien. Et donc là, à cet endroit-là, on va faire. Là, on va avoir une entrée un peu de cave par-dessus. Donc on va le faire avec quoi comme bloc? Je vois très bien des dalles pour changer, ça serait sympa. J'ai pas d'escalier, j'ai rien là. Il est où mon stone cutter? Tiens, j'en ai deux. Voilà. Là. Poète. On va se mettre deux comme ça. Ok. On va se mettre un comme ça. C'est bon. De faire des trucs un petit peu rigolo. Donc là on va faire hop hop hop. Donc, paf paf. Ici on va faire bim 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 tac tac. Ok. J'en ai fait que deux des escaliers, c'est pas possible. Je vais un peu à l'économie avec ces blocs-là, mais un peu trop quand même. Mince. Bon, après, ça fait drôle s'ils sont pas comme ça. Ah, ça, c'est l'inconvénient des... Techniquement, je devrais presque faire comme ça. Mais bon... Ça fait bizarre quoi. Je suis obligé de faire un peu comme ça. Voilà, ça sera bon. Ok, on se mettra une vieille porte en bois là-dessous. Une porte en bois. Une porte en bois dans ce style-là. Bon, tac. Alors, comment ça va là-dedans? C'est un mini-carte. Coucou Edgit. Bisous Joker Ems. Ah, beaucoup de boulot. Pardon. Pardon, j'avais des blocs un peu vieux, un peu machin. J'ai envie de faire un truc dans ce style. Bon, pas que du comme ça, tiens, ou du comme là. Dans ce style-là. Voilà, juste pour l'endroit qui est là. Et d'ailleurs, on peut le continuer ici en mettant... une cassée et recobble au fond. Comme ça. Voilà, c'est bien ça. Pour le dessous. Là, comme ça, on voit qu'on peut rentrer genre par là. On mettra, j'en ai mis là-dedans des blocs. Ouais, super.
C'est un peu gadouilleux, hein. Il y a de la Corse. Allez, tiens, il y a de la Corse. Je peux garder les deux. Et bim! Alors, touch et touch. Alors, c'est vrai qu'on peut mettre un petit bloc comme ça, un petit peu. Ouais, deux. Deux, c'est mieux. Ok. Bon, bah, on a la structure, on a la base de la, dans la maison. Donc, du coup, on va garder le même style. J'aime bien garder le même style. Les mêmes patterns de couleurs et tout, je trouve que ça fait vraiment sympa dans un village. Pas avoir trop d'écart, surtout que là, les maisons sont quand même relativement déjà bien colorées. Et surtout, on a quand même, bon, même si les teintes sont proches avec le rouge, le jaune, le orange, marron, etc. Puis d'un seul coup, il y a déjà beaucoup de couleurs sur une maison. Donc si je m'amuse à faire trop de variétés, ça va être un peu chelou. Alors, si je pourrais, mais en gardant les mêmes tons, un peu comme j'ai fait sur le château. Vous voyez, par exemple, on pourrait faire une maison un peu rouge comme ça, ou granit, on pourrait. En vrai, on pourrait. On pourrait, mais j'ai envie de garder le même style. J'ai envie de garder le même style. Alors... déjà là, on va remettre ça là-dedans qui me prend de la place. Les blocs qui servent à rien, entre guillemets. Hein, entre guillemets. Pour le moment, bien sûr, on va les mettre là. Ici, je vais remettre les trucs qui sont comme ça. Ça va servir pour une cheminée. Et puis tout le reste, ça ira bien. On peut faire un truc rigolo, d'ailleurs, à la place... à la place d'une torche. On peut mettre plutôt une lanterne. Ça fera plus sympa. Et en plus, on peut la mettre un peu plus haut. Genre là devant, comme ça. Voilà. C'est cool. Juste là. Ça éclaire un peu plus. Mais c'est pas mal. Là, j'aime bien avoir des... J'aime bien faire ça souvent. C'est des lumières indirectes. C'est avoir des lumières, mais dans les bâtiments. J'aime beaucoup faire ça, je trouve que ça rend vraiment chouette. Pas trop de lumière extérieure, mais beaucoup de lumière qui sort des bâtiments, je trouve que ça fait sympa. Bon, après les goûts et les couleurs, bien sûr. Alors, il fait nuit, donc on fait dodo. Bien sûr! Salut Espa, FR, bienvenue à toi. Alors, là, j'ai plus de machin, j'ai de l'eau. Ouais, super, j'ai de l'eau. Ah, un peu de zen. Qu'est-ce que c'est sympa, ces petits sons d'oiseaux et tout, j'adore. Ah, vraiment, ça met une ambiance. Ça m'avait manqué hein, quand j'avais perdu ma config Minecraft là, et que j'avais été obligé de le refaire sur, sur autre chose et qu'il n'y avait plus la même ambiance. Et ben, ça manquait quand même pas mal. Je trouve. Hein. Alors... là, vu qu'on a pas mal de relief ici, je pense qu'on va faire un peu ce style-là. C'est-à-dire qu'on va faire coller. On va faire coller les murs. De toute façon, après, il y a tellement de différences au niveau couleur ici, marron et puis jaune comme ça, que du coup, je pense que ça va passer pas mal. Sauf que... Ah si, j'en ai. Sandstone, smooth... ça, c'est du sable, par contre. De la smooth, j'en ai plus. C'est que du sable. C'est que du sable. Ça va pas, ça. Ça ne va pas du tout. Je devrais carrément prendre la shulker. Oui, parce que j'ai pas assez, en fait, là. Pas du tout assez, hein, les amis. Hop là. Qu'est-ce qu'il me reste comme sandstone? Faut qu'on en fasse cuire pour avoir un peu plus de smooth. D'accord. J'ai que du sable. Zut. Zut, ceci n'était pas prévu.
Bon, moi, j'ai pas con, j'ai un bâton tout seul hein, qui va prendre la place pour des prunes. Bon, bah, c'est pas grave, on va aller en chercher un petit peu. C'est pas grave, hein. Que je reste groupir. De toute façon, oui, j'ai une shulker, donc c'est bon. On va s'en prendre un petit peu. Attention à ma pelle, par contre. Et on va s'en chercher. Là, la map va servir, les amis. On va s'en faire chercher. Bah, regardez ici, on voit déjà que j'ai déjà creusé hein, là-bas. Hein. C'est ma carrière. Hein. En bateau, je vous dis pas le beans. Tu veux même pas y aller en bateau. C'est pas RP, ça. Hein. Par là, hop, hop, hop. Non, on peut pas. Faudrait creuser des canaux. Mais bon, allez. Ça s'embêter. Il fait nuit. On va pas prendre de risque. On va pas prendre de risque. Voilà. De toute façon, on a de la place. Oula. Ça y est, ça bouge. Tac. Alors logiquement, si je pars là-bas, ça va le faire. Ah, j'essaye de faire des lives cool, chill, où on est bien. J'essaye. Et c'est très bien. Je pense que quand on rentre, hein, pour ceux qui rentrent soit de l'école, soit du taf et tout, on a plus envie d'être paisible. Enfin, je sais pas, hein, mais que d'autres choses, quoi. Salut Zenitsu! Pense, hein. Puis ça me convient parfaitement d'être en mode zen. Attends, où est-ce que je suis là? Je suis normalement c'est par là. Hein. Ouais, c'est par là, je crois. Attendez. Bon, il y a du sable là-bas, de toute façon. Attendez, où est-ce que je suis là? Oh, je suis parti vachement loin là! Attendez. Oula! Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah, c'est pas par là, c'était par là qu'il fallait que j'aille. Ouais, bon. Ouais, bon, bah c'est pas grave. On va en prendre là du sable, hein. On s'en fiche. Hein. On n'est pas raciste. Hein. Alors! Surtout qu'en plus c'est pas du sable qu'on veut, c'est de la sandstone. Ok. De toute façon, faut déjà dégager le sable. Après, on peut les assembler par quatre, mais ça coûte cher. Voilà. Puis on n'en a pas besoin de 4 milliards non plus. On n'en a pas besoin de trop. Merci pour les brettes. Quel bonheur. Quel bonheur. Hop, hop, hop. On va faire ça propre, vous allez voir comme ça. Parce que sinon sur la minimap, ça va me trigger si je le vois. Je me connais, ça va me perturber. Alors, comment est-ce que j'en ai là? J'ai pas tellement d'épaisseur là, de sandstone du dos. Pas beaucoup d'épaisseur là. Bon, faut dire, on n'est pas non plus à l'endroit indiqué. Bon. Comme je voulais pas aller loin. Voilà, comme ça, ça fera plus propre vu du ciel. Hein. Vous avez sur la map, on voyait bien le carré de l'autre hein, quand même. Hein.
Ça fera un peu plus propre. Ça fera moins map saccagé. Je te jure. Par un roi Louis énervé. Voilà. Ouais, c'est bien. Allez, c'est bien. Alors, par contre, je suis arrivé par où, hein? Par le sud, je suis arrivé par là. Par contre, j'en ai pas tellement. Ou alors, je vais directement. Où est-ce qu'elle est le truc? Le point, il est. Il est. Il est là-bas. Oh, non, ça fait loin. Oh, ça fait loin, non, ça fait pas loin. Ouais, ça fait pas loin. Voilà. Ah, moi, les mouettes, ça me manque. Je sais pas, je sais même plus comment on dit oiseau en allemand. Je me rappelle plus. C'est honteux hein, pour quelqu'un qui a fait 8 ans d'allemand et puis qui a vécu un an en Allemagne. Enfin, je parlais beaucoup français quand même. Hein, mais c'était il y a très longtemps. C'était en 1987. Hein, alors du coup, je suis excusé. Hein. Vogel. Oui, c'est ça. Un vocal. En plus, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Oh, il restait des trucs de la dernière fois, disons. Super! D'ailleurs, tout ce qu'on gagne gratos, sans forcer. Très bien. Bim. Non, je m'étais pas embêté. Hein. J'avais laissé ça en mode comme ça. En mode random. Il va quand même falloir. Attendez, on va se faire ça, 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 ça. Ici, on va mettre ça là-dedans. Il l'a pas pris, hein. Les raccourcis clavier, ça sert à qui? Job loot. On s'en plaint un petit peu. On va pas tout raser, juste un tout petit peu comme ça. Juste la petite couche qui va bien. Ah, c'est bien. Voilà, aller réparer les outils aussi. Hein. C'est important. Hein. Bientôt. Sable, je prends pas le sable. Juste. On va prendre juste la sandstone. Hop là. Hop là. Oh, moi, le poulet! Mon Elbsune qui m'attaque. Taillot, messire, taillot. Bon, j'espère que ton live s'est bien passé, mon pépère. Oui, ce live se passe toujours bien. Quoique, des fois, un petit problème de coup, hein, ça arrive un peu, mais en général, il fait des très bons lives, mon Elbsune. Comment ça va depuis tout à l'heure? Coucou, Bella. Salut, Nathan. Yeah, ça va impeccable. Bah écoute, super. Toujours sur mon petit monde solo en hardcore et j'avais plus de sandstone, donc là j'ai été en chercher un petit peu. Et puis je suis en train de construire des petites maisons médiévales sympathiques. On a fait la déco d'une abbaye tout à l'heure. Je montrerai tout là à la fin du live. On a le temps. Oui, il est que 7h30, tout va bien. Tout va bien. Donc du coup, c'est cool quoi. La vie est belle et tout ça, tout ça. Oula, il y a de la faille là-dedans, là, dis donc. C'est pas, on va éviter les problèmes. Surtout dans le désert, hein, ça va nous saouler. Voilà.
Oui, j'ai trouvé les blocs. Je me rappelais plus que c'était à cet endroit-là. J'ai trouvé les blocs et j'étais content. Donc du coup, je vais attaquer. Parce qu'en fait, je suis sur une nouvelle partie solo. Mais là, je me plaisais pas dans ma cabane en bois. Et du coup, je vais commencer à me construire un mini-château. Pas gros, mais... Par contre, je suis en train de faire des tests de tour ronde. Et ça rend pas mal en vrai, hein. Des tests de tour ronde sur Unshrouded, je trouve que ça manque un peu. Bon, on en a assez là, je dirais, hein. Combien on en a là, plus sur ce qu'il y a dans la shulker. Allez, c'est bon, on va pas y passer 3 ans, c'est pas le but. On a ce qu'il faut, on est content. Qu'est-ce qu'on est content? Ça c'est bon. Paf et paf. Alors, il faut juste que je me gourre pas de trucs. Voilà, moi je vais là-bas. Perception des fusées. Gros bisous, moi, le Psounet. Hop là. Direction le soleil. Ah, qu'est-ce que j'aime pas user des fusées par deux crottes. Déjà que j'en ai pas des masses. Va falloir qu'on aille dézinguer des. Mais ce qui est bien, c'est que là, quand on arrive. Oh purée, quand on arrive. On voit vraiment les champs et tout. Ça fait assez sympa. Ça fait lumineux, hein, ça pète. Tiens, d'ailleurs, on va aller direct dans le châtal. On va aller cuire un petit peu de sandstone pour faire de la smooth. Directement. Aïe, la cognée. Non, ça fait bien. Comme ça, on récupère en même temps nos petits pots. Bien sûr. Très bien. Et donc, combien il me reste là-dedans du charbon? Oh, purée. C'est pas possible, ça. 8 suffisent. 8 suffisent, ouais. Par contre, de la smoothie, il m'en faut quand même pas mal. On va s'en faire cuire, on va dire 1, 2, 3 et 4. On sera déjà honnête. Allez, pan. Donc, il faut 4 charbons par truc. Lui, il les a. Lui, il les a. Lui, il les a pas, lui. Ok. Bah lui, il n'en a pas non plus. Oh bah lui, il en a plein. Qui est ce vilain? Hop. Bon bah dans ce cas-là, je vais pouvoir le re-remplir. Ok, et puis lui, il n'en a pas non plus. Alors, je vais en prendre la moitié de là. Ok, là on va lui mettre 4 au moins là. Et ici, ici, et là. Et ben on est bon! Allez, on va laisser mijoter tout ça à 180 degrés pendant un quart d'heure. Coucou Styx, merci pour ton deuxième mois de sub, c'est super gentil. Un petit prime pour notre cher web, merci beaucoup. Voilà. Oui, si tu cliques sur obtenir Minecraft, you know what, c'est normal qu'il te propose que de le racheter, c'est tout à fait normal. Ah oui, en plus, il fallait passer sur la version Microsoft, je crois. En fait, il fallait migrer ton compte Mojang vers un compte Microsoft il y a quelques mois. Bon, enfin, après, t'avais migré? Bah, faut retrouver ton programme Minecraft, alors. Bah, écoute, je sais pas, je suis pas un expert hein, dans ce truc-là. Alors attendez, là j'ai mes petits pots, ça je vais les mettre tout de suite, tant que je suis là, je vais les mettre dans le château direct. Je te jure. Hop là. Clay brick. Paf.
Voilà, comme ça, ça fait 3 x 7, 21. Si on veut garder la clé pour autre chose, on en aura. Il faut que je mange un petit coup, les amis. Des fois, je me fais rire. Quand même. Tu vas un peu trop loin avec ta moulette. Et paf, au lieu de manger, tu poses un bloc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, c'est bon, là, on est bien. Ça va, c'est boss, ça bosse les fermiers, là. Ça bosse bien, c'est bien. Alors, on va poser notre chalker ici. Choc. Là, ces blocs-là, on va les mettre là. Et là. Tout ce qui est bloc gris. Ça, c'est de la bucelette. Plutôt comme ça. Ça, c'est de la blackstone. Ok. Ok. Alors. Au niveau hauteur des bâtiments, on a fait du combien? 1, 2, 3, 4, c'est bien. 4. Comme ça, ça laisse 3 machin. Non, c'est bien. 4, c'est bien. C'est parfait. Choc, choc. Donc, on va faire. De hauteur pour la porte éventuellement je suis pas obligé de la faire au même endroit, on peut laisser plus d'espacement et en fait l'entrée on peut la faire là, par contre il va falloir tricher ici, il va falloir tricher pour la porte, mais c'est pas grave, on va faire du décalé katam, ça va être marrant. Tac. Donc là, j'en avoir une ici. Ok. Et du coup, si la porte est là, on va faire juste une seule ouverture là. Ça va déstructurer un petit peu le machin, mais c'est pas gênant. Quoi? Attention. Hein. Comme ça. Je vais en mettre une au milieu par là, mais je vais pas en avoir assez. C'est pas grave. Là, on va la mettre là. Et voilà. Ça c'est fait. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a comme bois de disponible? Qu'est-ce qu'on a comme bois de disponible? Alors le rouge, on n'y touche pas, c'est trop la galère à farmer. On le garde précieusement. Le mieux, c'est du spruce. Hein. Ouais, bon, ok, j'ai compris. Alors le spruce, on va s'en chercher un petit peu, il y en a plein. Là. De toute façon, les sapins, on les plante exprès pour ça. Hein. Donc, du coup, go. Hein. La petite forêt de sapins, elle est plantée juste pour avoir du bois, comme dans la vraie vie. Ça, c'est RP, ça. Salut, Smiley Serious. Ah ouais! Napoléon III venait de venir au monde au 19e siècle, quoi, en fait. Hein. Tiens, bah, j'ai été voir sa maison ce week-end à Napoléon III. Château de Compiègne. Je suis même pas allé à Pierrefonds. Normalement, chaque fois que je vais à Compiègne, très souvent, je vais voir. Je vais à Pierrefonds ou à Saint-Jean, un petit village à côté. Qui est un magnifique village. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si vous savez. Mais la chanson Les Amants de Saint-Jean, ça vient de ce village-là. Oh, qu'il est mettant, la 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 la. Voilà, si vous connaissez. Saint-Jean-au-Bois, exactement. C'est un petit village que j'aime beaucoup, qui est super mignon. Qui est vraiment pas grand, hein, qui est pas loin de Pierrefonds. Et si vous avez l'occasion... non, c'est pas Patrick Bruel. Patrick Bruel l'a repris, mais la chanson d'origine est bien plus ancienne que ça. Ah, tu y as vécu, c'est trop marrant. Ton Azéba, tu vois, j'y suis allé plusieurs fois. Et j'aime beaucoup ce village, il est vraiment trop mignon. Trop mignon. Il y a, dans ce village-là, les amis, vous avez une ancienne abbaye. Il reste la salle capitulaire qui est absolument magnifique. Tout en croisée d'ogives et tout. Et en plus, elle est ouverte au public. On peut y aller dedans. C'est vraiment super beau.
Et c'est un charmant petit village qui est dans l'Oise, qui s'appelle Saint-Jean-au-Bois, qui est magnifique. Et ça vaut vraiment le coup d'aller le visiter. Voilà. Ah, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Je regarde, on va en mettre un petit peu derrière, ça fera quand même plus joli. Tac. Là j'en ai sûrement, on va en mettre au milieu aussi, ça fera plus sympa. Voilà. Attendez. Et puis derrière même, je sais que ça sert à rien. Mais... ça sert à rien. C'est parfaitement indispensable. Voilà. Hop là. Et bim. Alors le petit dodo qui va bien, bien sûr. Très important. Pouet, 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 pouet. Ok. Donc ça c'est bon. Donc là, on va prendre combien j'en ai du smooth. Ça c'est du sable, du smooth. Il en reste un peu. Ouais. Sandstone. On va se prendre un mélange des deux. Alors déjà dans le bois. Ah oui, oui. Si j'en ai pris, il y avait une raison aussi. On va s'en faire ça. Tac, tac. On va se prendre ça. On va se faire des allumettes cendrées. Ça fait 120. Ouais, c'est pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc, un petit plancher. Tac. Donc la porte sera ici. Donc viens notre cire. Eh ben, en parlant de cire, merci Sir Sam. Merci beaucoup pour ton recette de ton 52e mois. J'espère que tu vas bien, mon pépère. Que tu n'as pas trop faim. Clin d'œil, clin d'œil. Ça, évidemment. Il n'y a quasiment que lui et moi qui pouvons comprendre cette petite blague. Hein. Voilà. Salut aux artis. Ok. On est bon. Par contre, là, on a intérêt à mettre une torche en dessous, hein, sinon... sinon, on va vite entendre des. Une petite torche à l'entrée, comme ça. Voilà, histoire de bien mettre le feu au plafond. Non, pas avec les torches. Ok. Oh, j'ai eu peur. C'est lui, là, qui a ramassé le blé. Je crois que c'était un creeper qui commençait à faire pchit. C'est vrai, au niveau du son, c'était pas loin. Pouette, 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 pouette. Donc ça c'est bon, je vais ranger le bois en attendant histoire d'y voir un peu plus clair. La dirt aussi, la corse dirt aussi. On verra pour les chemins après. Chaque chose en son temps. Ne nous énervons pas. La corse dirt, la dirt. Voilà, déjà là c'est mieux là, dis donc. Hein, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux. Ok, on va se mettre une petite porte en mode décalé d'un cran, décalé d'un cran. Oui, oui. Comme ceci. Ça c'est cool. Et c'est parti pour le champ. Je fais en jeu de bois. Tchac, tchac, tchac. Et re-tchac. Et re-tchac-tchac. Ça c'est valide. Donc là on se prend un pack de comme ça. Et d'asmousse, je n'en ai pas assez. Mais comme on a pensé à la faire cuire tout à l'heure. Non, je vais économiser mes fusées là. Un peu de marche à pied n'a jamais tué personne. Et en même temps, comme ça, on se promène. Tranquillou, bilou. Hop. Voilà. À quand les manifestations fermées dans Minecraft? Je vais me faire allumer, mais... en vrai, pour les agriculteurs, je comprends absolument. Et vraiment, je comprends absolument. Complètement.
leurs actions. Il y a des trucs qui me paraissent incroyables. Bah, enfin bon, ouais. Normalement, je suis pas censé parler de ça, mais. Mais bon, allez. Il y a des trucs que je comprends pas, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on donne des milliards à l'Ukraine et en pourcentage, on a gagné moins de 1% de ce qu'on a donné à l'Ukraine qu'on donne à, qu'on aide nos agriculteurs à survivre. Ça, ça me dépasse. Alors, il doit y avoir des intérêts, machin, etc., sur d'autres trucs, mais bon, chez moi, il y a des choses... je trouve qu'il y a des priorités en France qui sont pas bonnes, à mon avis. Hein, je vais pas faire de politique, mais je trouve ça pas normal. Mais bon, je trouve ça complètement dingue. J'ai plusieurs amis agriculteurs, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts à cause de lois européennes, de machin, la noix, etc. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails trop, hein. Mais, et puis d'un autre côté, ouais, alors on leur donne... j'allais dire, on leur donne un croûteau de pain pour survivre, et d'un autre côté, on donne des milliards, mais c'est des milliards et des milliards, si vous saviez tout l'argent qui part. Alors qu'on aide d'autres pays qui sont, oui, d'accord, mais bon, faut savoir aussi regarder midi à sa porte, quoi. Je veux dire, il y a quand même d'autres priorités, quoi. Enfin, je sais pas. Bon, j'ai pas tout... j'ai pas tous les éléments géopolitiques en main, bien sûr, là je dis ça tel que je le ressens à froid, entre guillemets, mais quand même, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont pas normales. Mais bon. Alors, ceci étant dit, reprenons nos activités minecraftiennes. Et calme, parce que c'est des choses qui m'énervent un petit peu. Là, par contre, vous voyez, si je mets une fenêtre ici, on va être obligé de tricher et de faire un double machin. Je m'explique. Alors là, ici, on va faire un truc comme ça. J'aurais dû mettre quand même pour faire un petit peu de... Tac. Alors ça, c'est bien, ça. Oh, tiens, c'est bien, ça. Tac. On va remettre une autre ici. Et puis là, on repart sur de la smousse. Là, que de la smousse. Par contre... Ici, vu que je vais avoir une fenêtre, est-ce que ça va pas faire bizarre que je vais pas avoir la jonction ça va peut-être faire un peu bizarre. Donc, dans ce cas-là, plusieurs solutions. Ou alors, on ne fait pas la jonction. Après, on n'est pas obligé de faire la jonction avec la fenêtre. Ça peut être une astuce. Mais de toute façon, vu qu'elles ne seront pas décorées les maisons, on va pas s'embêter, on va faire ça. Tant pis. Eh ben tant pis. C'est comme ça et puis c'est tout. Je vais faire des fenêtres. On va garder les fenêtres rouges comme ça, c'est sympa. Hein, ouais. Ah. Ça se discute, Cristal. Honnêtement, ça se discute. Hein. Moi, je vois pas du tout la Russie attaquer la France. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Hein. Parce que ils savent très bien que l'Ukraine n'a pas notre riposte à nous, quoi. Surtout que nous, ils pouvaient se permettre d'attaquer. Ils pouvaient se le permettre entre guillemets, bien sûr. Hein, je le dis. Mais c'est pas du tout le même cas pour la France. Hein. Donc voilà quoi. C'est. Alors. Je dis pas qu'on craint rien du tout, du tout, du tout, quoi. Mais dans le siècle à venir, avec l'armement nucléaire et tout ce qu'on a, voilà, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. On a trop de choses dissuasives et en plus. Ils savent très bien que s'ils attaquaient la France, ils auraient les USA, ils auraient l'Europe sur le dos. Enfin, mais pour de vrai, pas juste en filant 2-3 munitions, quoi. Ça serait voilà. Bon, enfin bon, allez,
Je préfère clore le sujet parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais voilà. Voilà. Ouais. Bon, enfin bon. Allez, on change de sujet, sinon Skefrep, il va péter un câble. Ah, c'est bon, Skefrep. C'est bon. Alors, on n'en parle plus, les amis. C'est vrai que c'est des sujets un peu chauds. Ou alors, il faudrait pas que je joue à Minecraft et que je sois en mode discussion, ce qui n'est pas le cas, mais allez. On est là pour se détendre. Oui, non, c'est parce que normalement on parle pas politique. C'est pour ça. Mais ton message était correct, hein, Youad, je l'ai lu, t'inquiète pas, tout va bien. Ah non, Youad, t'as eu un message supprimé, je l'ai pas vu par contre. Ou alors c'est peut-être une erreur. J'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Salut Tib. Mort de rire. Alors là, je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Oh, ça, il avait dû la préparer, celle-là. Il avait dû la préparer il y a un moment, celle-là. C'était marrant, c'était très marrant. Je te jure. Allez, revenons à nos moutons. Et en l'occurrence, ah bah tiens, il repleut. Et bim. Ah, je te jure. Les pires. Tac. Alors, donc là, on va mettre... Quoique cette petite fenêtre-là, elle fait pas très jolie. Je vais la mettre plus basse. Je pense que ça fera plus joli en mettant juste une toute petite 2-1. Une toute petite 2-1 comme ça. Bim. Voilà, c'est une petite lucarne. Ça, voilà, on met ça là. Ici, éventuellement, on peut en avoir... Éventuellement. Pourquoi pas. Tac. J'aimerais bien en mettre une comme ça. Et tac. Allez, on va faire ça. Donc là, on va remettre des comme ça ici. Tchac, tchac. Du coup, par contre, je suis obligé de mettre double bloc. Ah non, je suis pas. Ah ouais, là, par contre, elle est à l'envers. Ah zut alors. Ah oui, elle est à l'envers. Je peux pas tricher. Alors, il y a un autre moyen que je peux tricher. Vous allez voir comment. Voilà. Celui-là, le problème est coupé bizarrement. Vous voyez ? Alors qu'en fait, laisse-moi sortir. Vous voyez, donc là ça passe. Mais là du coup, d'accord. On peut faire comme ça aussi. Puisqu'on est à l'intérieur, c'est pas gênant. Voilà. Là comme ça du coup, voilà. C'est fermé. Allez, c'est bien. Bon, tout le reste on bouge, sauf celle de derrière. On va en mettre juste une là et puis ça ira bien. Ça fera bien l'affaire. Oui. Allez, on remplit tout, sauf... J'ai dit sauf là. On fera une petite fenêtre. Tac. Petite fenêtre. Bim. Pour mettre deux, hein, à l'endroit. Tac, donc ça c'est bon. Une et tac. Voilà, c'est bien. Et donc, poète, comme ça à l'intérieur. Là, ça sert à rien, hein, bien sûr. Touch. Comme ça, c'est cool. J'en mets une de temps en temps. Pas trop. J'avais peut-être mis un peu beaucoup, j'ai un peu abusé. Un petit peu abusé, là. Hop là. Pouette, ça c'est bon. Touch. Et là, pareil, il n'y a pas besoin. On va en mettre une là. Et puis c'est tout. Hop.
Alors, visage, salut à toi. Je live jusqu'à 20h30. Voilà. Voilà, ils sont au taquet. 20h30. Oui, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Mais en général, je suis quelqu'un qui est assez ponctuel en général. Voilà. En général. Ok, peut-être. Tac. Et voilà. Et ce, du lundi au vendredi inclus. Elle est rigolote, cette maison. Elle est rigolote. Alors, tout en haut, on va mettre ouais, des fences, c'est bien. Ou alors, on peut changer un peu la couleur. Je suis en train de réfléchir. On peut mettre. Non, les trappes d'or, c'est trop cher. Ça, c'est dommage. C'est dommage que c'est trop cher, les trappes d'or. Hein. J'en aurais bien mis sous le toit, là. On peut faire un toit un peu rigolo, remarquez. Ou aussi, sinon, on peut rajouter une petite tour en mode décalé d'un cran aussi. On a le droit. Et dans ce cas-là, lui, il va nous saouler. Ouais, tiens, d'ailleurs, ça fera joli. Hop là. Ça fera joli. Donc, ça vire. On va mettre une torche. Je regarde. Ah, purée. Le temps passe trop vite, les amis. Le temps passe trop vite. Tac. Alors, on va pas la faire grande. On va la faire, surtout qu'on en a quand même un peu. On va faire 3 sur 3. 3 sur 3. Comme ça. Perdu. 1, 2, 3. Ah bah non, je suis bête. Si j'ai un truc central. Ah, ou alors je fais un tournicoteau de 2. Si je fais un tournicoteau de 2, ça va pas faire bizarre. Tagazougazou, en escalier. Oh, par contre, j'ai 4, ça va m'embêter. Ça, au niveau du toit, ça va m'embêter. Au niveau du toit, ça va m'embêter. Ça va m'embêter. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va faire un nombre impair. Et puis, c'est tout. Du coup, là, je vais voir le double. Ça sert à rien. Hop. On mettra des ouvertures après. Hein. Petite meurtrière, tout ça. Hop, comme ça. Je pense que j'en aurai assez. Oups. Oups. Ça, c'est juste pour faire des économies de bout de chandelle. Que comme je suis pas sûr d'en avoir assez, voilà, ça suffit. Hop là, hop là, très très bien. En plus, normalement, il m'en restait, je crois qu'il me restait une porte. Mais bien sûr, elle est là. Voilà, toi t'es pas beau. Enfin, ok, alors on va se prendre un tournicoteau en pierre. On va même le faire avec des escaliers parce qu'on est des ouf gueudins. Je crois que ça passe en escalier. Tiens, j'en ai là de la cobble machin. Je crois que normalement ça passe. Pas là, bien sûr. Je suis bête. Voilà, on va faire. Hop. Par contre, à construire, c'est la misère. Comment... Ah oui, à construire, c'est super galère à construire ce truc. Je vais quand même pas mettre deux et puis deux comme ça, si. Ça fait bizarre, non? Oh non, ça va, c'est pour le début. C'est le début qui est chelou. C'est juste pour pouvoir grimper, voilà. Ah si, ça passe, hein, dis donc. Incroyable. Incroyable. Alors, il me faut des escaliers. Ça,
ça, ça saoule. Ok. Je fais des trucs un petit peu rigolos. Hein. Bien pour les modes. Oh, le bon chachien. Je survis, bon chachien. Mais ça va. En fait, ce qui me sauve, c'est que j'ai pas des gros besoins financiers. Donc, du coup, j'arrive à m'en sortir. Entre les subs, les tips, les dons. Parce que c'est sûr que YouTube, j'ai pas beaucoup sur YouTube. Hein. Mais Twitch, et plus la générosité des gens, en vrai, je m'en sors. Voilà. Tout juste. Voilà. Je me fais un petit smic, quoi. Un petit smic. On va dire. À peu près. Voilà. Donc c'est pas des millions, mais bon, voilà. Disons que ça va. Je suis quand même malgré tout content de pouvoir survivre de cette activité-là. Donc c'est très bien. Voilà. Et de pouvoir partager ma joie et ma bonne humeur. Puis comme je dis souvent, hein, moi, tant que j'ai un toit sur ma tête, à manger dans ma gamelle et des gens qui m'aiment, je dis le reste. Hein, voilà. Le reste, c'est accessoire, on va dire. On va se mettre une petite loupiote. Ah bah tiens, elles sont là. On va se mettre ça là. Et puis on va se faire ici. Pouette, pouette. Comme ça. Et on va se faire pouette, pouette. Ouais, des petites lucarnes comme ça, c'est rigolo. Là, je peux en mettre une ici. Mais par contre, dans ce sens-là. Hop. Et hop. Voilà, on peut en mettre une au-dessus. Ah non, pas au-dessus. Oui, j'aurais pu en mettre une plutôt. Non, c'est bien. Attendez, je regarde. Non, c'est bien, ça suffit. En vrai, ça suffit. Peut-être une de ce côté-là. Oh ouais, allez, là. Soyons fous. Une petite par là. Hop. Voilà. Bon, par contre, c'est sûr que si la vie augmente de trop, ça va être compliqué. Mais parce que le problème, c'est que plus la vie augmente, moins les gens sont généreux, ce qui est logique. Hein. Et donc, moins je gagne. Donc, plus la vie augmente et moins je gagne. Ou alors, il faudrait que j'ai beaucoup plus de viewers, ou alors que je me mette à faire beaucoup plus de genre d'opérations de pub. Mais comme le problème, c'est que je fais un tri monstrueux au niveau des pubs et que j'en refuse les trois quarts parce que je trouve ça pas intéressant pour vous ou à la limite, saoulant pour vous, du coup, j'en fais pas beaucoup. Je fais juste des OP que je fais, c'est vraiment celle que je trouve qui apporte vraiment quelque chose. Voilà. Donc du coup, on se débrouille. On se débrouille comme ça. On se débrouille comme ça. Ok. Alors, par contre, ça monte de lumière, ça je l'ai dit. On va s'en mettre un petit peu. Là. Là. Et plutôt juste là. Hop là, près d'ici. Ça c'est cool. Comme ça, on voit la lumière qui sort ici, c'est très très bien. Et on va s'en mettre une juste à côté des machins. C'est-à-dire ici. C'est pas mal ça. Le but. Pardon. Ouais, c'est qu'on voit de nuit noire, on verra bien les petites lumières et tout. Ça fera joli. Ça fera joli. Ok. Alors, ça, c'est valide. Par contre, on va commencer à poser des blocs. Oulala, j'en ai pas tant que ça. Tagazou. Là, pour le bas, je vais me poser une rangée de comme ça. Parce que la couleur est pas trop gênante. Pour là-haut, ça sera différent. On va voir comment est-ce qu'on gère le machin. On va faire ça. Ben on va monter. Heureusement que c'est des décors de cinéma, les trucs. J'ai plus de dirt. J'ai tout reposé, crotte. J'ai reposé tout. Un petit dodo, hein, on va éviter des problèmes. Voilà.
partir sur la tête, ça devait être leur apporter. Purée. Au-dessus, au-dessus, hein, bien sûr. Tac et tac. Ok. Donc là, on va monter gentiment. Ici. Hop. Alors, on va mettre. On va faire tout un tour avec ça. Je pense que j'en ai pris assez. Tiens, j'ai pas mis tout là, pourquoi? Je voulais pas mettre une fenêtre quand même ici. Comme ça. Oui, je sais que c'est pas tout à fait dans le même sens, c'est pas grave, on les verra presque pas ces blocs là. Voilà, et puis là on va faire un contour pareil. Puis ça donnera un peu de difformité entre guillemets qui est pas moche. Ok. Là on va se faire un toit un peu what the fuck, un peu chelou. Je vais avoir ici un machin là, et donc là on va faire un 2. Je pense que un 2 ça va suffire. On va se faire un toit un peu rigolo. 4. Du coup il me faut un support. Bah tu vois. Ça. Évidemment, si je les ai pas mis en tournicoteau, ça va pas. Voilà, c'est bien. C'est bien. Là, je vais peut-être rajouter un pipic. Je sais pas, on verra. On verra. Pas forcément. En tout cas, là, je vais juste rajouter des dallounettes dessous. Après, en dessous même. Elles sont où les dallounettes Dallounette, gentil dallounette. Il en faut par contre beaucoup plus. On va ranger les blocs qui sont là. Voilà, ça c'est bon. Que je dise pas des bêtises. Je vais me prendre ça. Ça, je pense que j'en aurai assez. Je pense. On va voir. Choc. Choc. Non, si t'as pas tous les blocs, dans ce cas-là, les échafaudages étaient plus intéressants. Bon, c'est pas grave. Alors, je les mets comment, du coup là, on va faire 3-3-3, comme ça. On va pas s'embêter. Oui, non, il faut que je mette les dalles avant. Sinon, ça va pas le faire. La tour, je vais peut-être les mettre un cran plus basse. On va voir. Bon, en tout cas, ici, il faut que je les mette là. Voilà, ça c'est fait. On va pas s'embêter. Tac. On va les mettre comme ça. Ok. Là, je vais laisser le feuillage. Je vais même pas m'embêter à faire dépasser. J'aime bien le concept du truc collé. Je trouve ça joli. Voilà, ça c'est bon. Ici, pour donner un effet qui est plus monté, je vais le mettre plus bas. Sauf que là, ça va peut-être pas le faire. Sauf si je monte, en escalier de traviole. Par contre, j'étais obligé de mettre des blocs support. Si je monte juste comme ça, on bouchera les trous-trous, hein, quand. Avec des dalles, ça ira bien. Donc là, c'est-à-dire là comme ça. On verra tous les trucs après. Hein. Ouais, c'est bien ça. C'est pas mal. Ça fera bien l'affaire. Ok, donc là on va mettre hop, hop. On va faire un toit un petit peu rigolo.
Ouais, on est un peu obligé. J'en ai plus. Ah, crotte des biques, on a plus d'escalier. C'est pas grave, on va en refaire un petit peu. Je peux en refaire deux stacks. Je pense qu'on peut se permettre d'en faire deux stacks. On va les faire un par un. On va... Je vais en faire un stack d'abord et un stack après si jamais il y a besoin. C'est pas sûr. C'est pas encore sûr. Voilà. Tac. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors lui il va là. Tac. Tac. Et tac. Ici. On maquille. On maquille. Très bien. Pareil, pareil là. J'en ai plus des blocs de dirt? T'es sérieux? T'es sérieux? Ouais, il est sérieux. En plus, il est sérieux. Il se moque de moi, là. Non, mais... Sans blague. Je suis un peu guignol. C'est fait exprès. Ok. Lui, c'est normal qu'il ait de traviole, c'est fait exprès. C'est quoi mon poisson préféré? Le saumon. Mais j'avoue que de la lotte fraîche grillée, ça le fait bien aussi. Hein. Mais j'aime bien le saumon. Fumé. La truite fumée aussi, c'est très bon. Hop. Il va être rigolo ce toit. Très rigolo. Donc la 3, et donc ici il va être, on a décalé d'un cran. Là. Non, pas là. Justement, le décalage est ici, donc il va être dans ce sens-là, ce toit. Ici. Voilà, c'est ça. Ok, ok. En même temps, c'est logique, hein, c'est un toit de traviole. Hein. Donc là, on va remettre comme ça. On va faire 1, 2 et 3 ici. Là, on va mettre 1, 2. Au moins, j'aurais presque pu laisser comme ça. Aussi. 3 ici, c'est pas gênant. Ok. 1, 2, 3 ici. J'ai oublié la dalle là, ok. Et 1, 2, 3, son pépère. Ok. Puis là, bon, on va finir gentiment, tout simplement. Bon, bah, il y a moi le décalage ici, mais c'est pas grave. On fait un truc un peu rigolo, hein. J'ai dit, c'est un toit à la skefret, quoi. Paf pouf, très bien. Oh, j'ai sauté trop tôt. Il fallait que je mette mes dalles là-bas. Ah d'accord, bon, bon d'accord. Oh, oh.
vais me faire engueuler par, par mon modo, vous êtes sérieux. Alors, tac. Qu'est-ce que ça raconte? Oh, c'est marrant. Il est marrant ce toit. Il est vraiment bien tordu. Hein. Bon, j'ai pas fini là-bas, c'est normal. La maison complètement de traviole. Bim, d'ailleurs, on va remonter plus haut. Hein. On va pas s'embêter. Bah non, ce qui est logique. Ou peut-être que je fais semblant. If you see what I mean. Voilà, I mean. Voilà, allez, ça ira. J'ai remarqué que... Alors bon, là, bien sûr, on blague avec Skep, hein, les amis. Hein. On se connaît depuis très longtemps. On blague beaucoup entre nous. Mais j'ai remarqué que quand quelqu'un vous crie après, si vous criez, ça monte. Voilà. Alors qu'en fait, si vous restez vraiment zen, voire même, peut-être pas ignorer parce que le gars, il peut partir en sucette, mais en fait, c'est la meilleure... c'est la meilleure des réactions à avoir. En vrai, en mode... Surtout en bagnole, où les gens ils ont un taux de testostérone de 110%, complètement vénère. Et pas que les hommes, hein. Attention. Moi, j'ai vu des femmes vraiment très 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 énervées au volant. Et quand vous les regardez en mode un grand sourire ou des trucs comme ça, en général, ça les désarme complètement. C'est une très très bonne méthode. Après, faut y arriver à le faire, ce qui n'est pas forcément fastoche. Mais c'est faisable, c'est faisable. Alors, elle est vraiment. Cette maison-là, elle est vraiment bien tordue comme il faut. Elle me fait rien. On n'a pas mis les volets et tout ça, bien sûr. Hein, mais, voilà. C'est ça. Moi, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de crier. Très, 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 très longtemps. De m'énerver. Ouais. Et la dernière fois que je me suis énervé, c'était au téléphone. Mais ça fait très longtemps. Oh, le toit biscornu, il est trop bien. Alors, on va mettre des petits volets, des petits machins rigolos, en bois rouge. Hop là. Choc. Ah oui, non, on est obligé par table de craft, hein, c'est vrai qu'on peut pas le mettre là-dedans. Des trappes, j'en ai pas de trappes là-dedans. Oh, crotte de bite, qu'on voit le prix que ça coûte. Par contre, si, attendez, il y a un truc, là par contre, je vais prendre une dalle comme ça, qui va aller au-dessus de la fenêtre, là-bas. Celle-là, hop. On va la mettre là, elle. Bim! Ça fait trop gros. Non, on va revenir à une trappe d'or. Ça fait trop gros. C'est dommage. J'ai presque envie de rajouter un truc qui sert vraiment à rien, mais... Voilà. Un truc dans ce style. Je suis en train de me demander même si je vais pas en rajouter un comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ou alors j'aurais pu mettre au bord. Genre comme ça. Mais ça fait un peu de trop là. C'est le problème, c'est la porte. Mais on aurait pu. Voilà. Je vais en mettre un de plus. Sauf qu'on va mettre un bloc. Voilà, un truc comme ça. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est bien, ça manquait ça, le truc de très bien. C'est cool! Salut Losty. Ah. Merci pour la bonne humeur. Voilà.
Donc ça c'est bon, ça c'est bon, on va mettre ça ici. Alors, pour les fans, on va mettre de la couleur, ça fait quand même joli. Je suis en train de réfléchir. Là ça allait bien parce que il y avait de la 3D. Par contre ici, alors j'en mets des ouvertes. En vrai, ouvertes en rouge, ça passerait pas mal. Par contre, ça coûte cher. Eh ben, c'est pas grave, ça coûte cher et puis c'est tout. Alors, on va prendre du spruce, chers amis, de ce que des baguettes, j'en ai que 10. Où est-ce que j'ai récupéré cette rotten flèche? Moi, j'en sais rien du tout. J'en veux pas. Je me rappelle pas avoir tué de zombies. Pourtant, c'est bizarre. Bizarre. On va faire ça, ça. Tac, 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 tac. Ok. Bim. Et même ça, j'en aurais peut-être même pas assez. Après, je peux en mettre qu'une sur deux. On peut tricher un petit peu, là. On peut tricher un petit peu. Est-ce que je vais réussir à les mettre? C'est pas évident. Ah, si, ça va. Hop là. Ça. Bim. Voilà, c'est des petits trucs à la noix, mais qui sont cool, qui font leur petit effet sympatoche. Ça fait un petit support de toit tout mimi, tout mignon, tout mignon. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu en mettre plutôt une de plus, ça aurait fait plus joli, je pense. Celle-là. Ah oui, c'est vrai. Ça aurait fait plus joli de les mettre comme ça. Hop, et hop. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Zipizi. Alors, hop. On va les mettre là. Et on va les mettre comme ça. Ben voilà. Zut. Ok. Bon, derrière, là, il n'y en a pas, hein, puisqu'il y a des feuillages. Hein, donc, voilà. Ici et là, et oui, ouais, on avait l'impression que j'en avais beaucoup, et puis en fait, non, hein. Il n'y avait pas beaucoup, et d'ailleurs, il m'en reste que 3. Je peux en mettre, non, bah non, j'ai des demi là, c'est une demi, hein. Ouais, donc il n'y en aura pas en dessous la tour, puisque c'est. Je vais pas m'en débarrasser de cette crève. J'ai mal à la gorge, c'est un truc de fou. Oui, Sir Sam, j'ai dit merci à Sir Sam tout à l'heure. Oui, je lui ai dit. Donc, sous la tour, on va pas en mettre. Non, c'est pas gênant. C'est bien comme ça. Oui, c'est bien, tiens, c'est bien. Donc, ça, c'est ok, c'est ok. Alors, faudra pas oublier la cheminée. Je regarde. Oh là là, il était vers... Mais ça passe trop vite. C'est un truc de fou. Et les trappes d'or, elles sont où? Hein? Bichette. Combien il m'en reste des blocs? Quoi, ça va? 20. On va s'en faire 1, 2, 3, 4, au moins 5 ou 6. Choc. Bah 6. Ok, hein. N'insistons pas. Alors, on va mettre juste là. Tac, c'est des volets. Là, il n'y en a pas besoin. Là, on va les mettre de ce côté-là. Même si ça fera plus joli. Et donc là, on va faire pareil. On va mettre ici. Comme ça. Voilà, ça c'est bien neuf partout. Voilà, les mimi, cette petite maison. Après, on rajoute un tonneau, voilà, deux, trois trucs, deux, trois machins, une brouette, un petit appentis de côté, là, et puis ça fait le taf, hein.
Bien sûr! Regardez, un truc tout bête, hein. Un truc tout simple à 2 francs. Genre par exemple. Où est-ce que je suis là? Ça va pas là. Voilà, de ce côté-là. Tu fais un truc genre pop hop. Et là, tu décales hein, comme ça. En faisant un petit coup de bignou là, comme ça. Hop hop hop. On prend 3 petites barrières que je n'ai pas, bien sûr, sinon c'est trop facile. Je commence à avoir vraiment beaucoup de bins sur moi. Tac. Le petit pot, tiens, on va le mettre ici en attendant. Non, je le garde, ça sera pour la cheminée. Très important. Coucou, mon âme. Merci pour tes 100 bits. Oh. À force de traîner dans la brume. Bien vu, mon drain. Bien vu. Pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, je suis beaucoup sur Uncharted. J'adore, vraiment, ce jeu est trop bien. Et donc, du coup, voilà, j'en ai besoin de 4, donc il m'en faut pas beaucoup. Ah d'accord, j'avais 2 lits sur moi, moi. Je suis comme ça. Oh, ouais. Faire un peu de place, quand même. Le truc rouge a plus besoin non plus. Ah, j'ai entendu un zombie quelque part. Bizarre. Bon, il y a un zombie quelque part, mais il est peut-être en souterrain aussi. C'est tout à fait possible. Non, je voulais des barrières, mais... Oh, ou alors je mets des rouges. Marqué, on peut mettre des rouges aussi. Non, ça fera pas aussi joli. Ça ne fera pas aussi joli. Donc, paf, 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 paf. Ok. Il faut quelques blocs comme ça. Non, 3 suffisent. Oui. Voilà. C'est tout simple, hein, mais ça rajoute un petit quelque chose à la maison. Ok. On n'a plus qu'à rajouter une petite brique en haut avec le machin. Alors, soit comme ça, avec de la fumée qui sort en cachant un feu, soit avec rien du tout. C'est pas très important. Hop. Faire quelques baraques au pépère. Et puis la cheminée, on va l'intégrer, je dis que par là... Ah non, il y a la fenêtre ici, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, quand même, un minimum de RP. Évidemment, c'est trop long. Il faut la mettre à un endroit où il n'y a pas de... Où il n'y a pas de fenêtre, quoi. Tac. C'est-à-dire, là, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Non, il n'y en a pas. Donc ici, la cheminée, elle pourrait très bien être à peu près là, à la louche. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Allez. Je sais bien qu'il y a un machin derrière, mais... Hop. Pas trop haute, sinon ça fera pas beau. Tac, tac. Et tac. Et ben voilà. Petite maison dans la prairie. Allez, petit dodo final. Petit dodo final. Histoire qu'on ait une jolie vue. Voilà. Alors qu'on prenne un peu de hauteur. Attendez, je vais... Je comprends pas où est-ce qu'il est, le zombie, là. Je m'enferme dans cette maison-là, pour pas prendre de risque. Voilà, mon corps est dedans. Hein. On va l'ouvrir, c'est marqué dessus, comme le pense à lui. Et voilà, petit peu de hauteur. Bon, elle est rigolote, cette petite maison de traviole. Ça fait super médiéval. Hein. Quand vous faites des trucs de traviole et tout, avec des petits machins comme ça, c'est bien. Bon, c'est bien avec les petits rayons de soleil et tout. On en rajoutera d'autres. Alors, elle n'est pas très grande, hein, mais je ne vais pas faire des trop grandes. En fait, c'est ça ramène à l'échelle humaine des choses qui peuvent paraître très grandes. C'est des petites astuces dans Minecraft. Hein. Quand vous faites des grosses constructions, moi, c'est un petit peu mon... J'allais dire mon défaut, mais j'aime bien.
Un petit dodo, c'est ça. Ah non, mais la Roumanie, c'était juste le château, inspiration roumaine, hein, bien sûr. Hein. Là, évidemment, là, on est sorti du truc. Hein, on est sorti du truc. Hein. On fera une maison peut-être un petit peu plus grosse ici, et tout, mais il faut que ça reste des maisons, relativement, petites, volontairement. Hein, voilà. Non, la Roumanie, elle est beaucoup, dans ce style de truc. Hein, voilà, clairement. Hein, voilà. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est sympa. Mais par contre, c'est vrai que le château, là, il est beaucoup plus grand que ça. Hein. Là, en fait, je me suis inspiré juste de la devanture, qui est là. Tout le reste, j'ai tout fait à ma sauce. Cette devanture-là de château, en fait, même, il est très grand. Il continue sur le côté, continue derrière, il est gigantesque. Mais voilà, on aime bien faire des gros trucs, voilà. Voilà, non, mais c'est sympa. J'aime bien, moi, ce petit monde selon Nardcore. On prend du plaisir. Il faudra que j'aille m'occuper de mes outils bientôt. Hein. J'ai une petite usine là-bas. Puis peut-être, pourquoi pas, commencer à aménager ça, à faire un genre de mine un peu bizarre. On verra petit à petit plein de choses qui pourront. Ça, par contre, il faudra modifier ça. C'est pas très joli. Mais bon, voilà. Ouais, ça se meuble gentiment. Ça se meuble gentiment. Voilà, les amis! J'espère que ce petit live vous aura bien plu. Merci à tous ceux qui ont fait des subs, des bisous, des câlins. Un bisou à mes petits modos d'amour. Passez une bonne soirée. Boujou, 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 Odiepois, bien sûr, hein, évidemment, hein, bien sûr. On se retrouve demain. Alors demain, on sera avec Alps. Je ne sais pas encore si on fera ou du Valheim ou du Enshrouded ou quoi. Donc on verra, on en discutera avant avec Alps et puis bah vous verrez bien. Mais ça sera au plus tard à 18h dans la joie et la bonne humeur. En attendant, prenez bien soin de vous. Et puis bah, je vais lancer, comme on est encore assez nombreux, oui, on est encore assez nombreux. Donc on va hoster quelqu'un qui le vaut bien, bien sûr. Et ça me permet de passer 60 petites secondes de publicité que vous adorez, je sais bien, je sais pas. Yado, bon, écoute, voilà. Alors, paf, on lance. Les 60 petites secondes, très important. Ah ouais, petit chocolatier, juste à la fin. Alors effectivement, s'il y a mon Edo, Et ben s'il y a mon Edo, je vais faire directement... Tac, tac... Et donc, bim. Bim. En plus, il est niveau 25, là. Alors là, ça va dépoter. Il m'a dit tout à l'heure qu'ils étaient niveau 25. Alors, ça part très vite. Parce que ça part dans 20 secondes. Ça va vite, hein, 20 secondes. Hein. Alors, attention, dans 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année, des bisous, à tchou-tchou. Et pan. Et pan.